Il y a encore des gens qui se font surprendre. Ça, c'est pas ouf, hein. Bonsoir Twitch et bienvenue dans ce live JDR solo. Enfin, avec vous, qu'on soit bien d'accord. Je ne serai pas tout seul. Mais voilà, on va écrire quelque chose ensemble. Comment allez-vous ? Dans cette belle soirée de presque Noël, finalement. Noël, c'est dans quoi ? Une semaine. Donc ça va. Je crois, hein. C'est ça, j'ai raison. Je sais calculer. Ça, c'est assez incroyable. Il fait moins 200 degrés dans cette pièce où je suis. Sachez-le. Ben, Vladimaya, moi aussi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Le bouquin est tellement beau. Si vous ne l'aviez pas déjà vu, c'est assez incroyable. Et l'intérieur est aussi incroyable. En fait, c'est fait genre, c'est des livres empruntés avec des notes, des trucs. Je pense que Apsala et Nekour, vous avez kiffé votre vibe. C'est vraiment très orienté histoire, tout ça. Ça, c'est très drôle. Cette page est extrêmement drôle. En gros, c'est le fameux « Qu'est-ce que le jeu de rôle ?» Vous savez, il y a toujours une page « Qu'est-ce que le jeu de rôle ?» dans les jeux de rôle. Et du coup, elle est couverte de photos et il n'y a pas du tout la réponse. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Ça va, ma grand-mère est morte hier, mais ça va. Bienvenue au club des grand-mères décédées. Moi, j'en ai plus d'autres. Hein. Là, j'avoue, j'ai tout donné. Il y a des clowns. Écoute, ça va peut-être. Hein. Histoire avec le Moyen-Âge en 1600, tout à fait. Le bouquin est sublime. Mais on regardera la version PDF que j'ai. Et d'ailleurs, c'est la V2 de la version PDF. Donc, c'est pas comme ma version imprimée. Club des grand-mères qui ont glissé, tout à fait. Enfin, la deuxième n'a pas glissé. Au contraire. Il aurait peut-être mieux fallu qu'elle glisse. Salut Roulia. Ça va le son? Vous m'entendez correctement? Attendez. Il y a un truc aussi. Hop. Normalement. Hop, est-ce que c'est mieux le rapport bouche-voix par rapport au décalage de son? Si je fais ça, par exemple. Le décalage de son. Normalement, il y en a un. J'ai essayé de la... C'est raccord, pas de décalage. Ok. J'ai annulé le décalage. En vrai, ça me casse les couilles. Pourquoi c'est la grand-mère adorable qu'on aime toutes et tous qui claque quand l'autre sorcière veut pas croire. Salut Doc Nocmos. Les gens qui... Il y a des gens qui tiennent bien, tu sais. Il y a des gens qui s'accrochent, ils veulent pas lâcher, quoi. Ils sont en mode, non, mais en vrai, je reste. C'est comme ça, hein. Tout le monde peut pas mourir. Désolé, hein. Salut Dark Technology. Un pseudo compliqué. Vous avez vu la news par rapport à Henry Cavill? Parce que là, il y a plein de gens qui sont deg. Parce qu'Henry Cavill n'est plus dans The Witcher. Il y a plein de gens qui sont deg parce qu'il n'est plus Superman. Mais la news du jour, c'est qu'il sera executive producer et réal. Et acteur dans une série Amazon. Qu'ils ont fait Ring of Power, quand même. Sur l'univers de Warhammer 40K. Donc ça, c'est quand même pas dégueu. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Alors, il y aura toujours des connards qui vont faire ouais, mais moi j'aime pas Warhammer 40K. Oui, d'accord. Mais c'est quand même bien. D'ailleurs, plus précisément, l'abysse du temps médiéval ne peut se passer qu'entre 1629 et 1632, car Maxime donne des indications assez spécifiques. La Franche-Comté craint une invasion française de la part de Richelieu. Donc, c'est bien le Moyen-Âge. Richelieu, on dit souvent Richelieu, Moyen-Âge. Dans le cas, je croyais que c'était Warhammer normal. Peut-être, ouais. Ça sent le projet où il connaît l'univers. Ah ben, il est connu pour faire des figurines Warhammer, etc. Donc, ouais, moi, je pense que ça sent très bon. On verra. Peut-être que je dis de la merde. Peut-être que ça sera nul. J'espère que non. Hop.
Mais je pense que. Ouais, c'est peut-être, vous avez peut-être raison, c'est peut-être Warhammer normal, hein. J'ai pas plus suivi que ça. Hein. J'ai juste vu la news de. Enfin, sa news à lui. En même temps, il dit vive l'empereur. Dans Warhammer Fantasy, il y a. Enfin, l'empereur, il est là, mais c'est pas. Si? Je sais pas, peut-être que si. Salut Trostnoman. Est-ce que vous avez eu la bonne news aussi que Numerama, c'est ça? A fait un article sur une de prison, enfin. Enfin, enfin, c'était pas à eux spécialement de le faire, mais c'est bien, ça y est, ça commence à savoir, à se répandre. Dimanche, les 10 ans de Gloptopus, tout à fait, ouais. Il me semble que c'est au rapport au dernier jeu 44 Dark Tide. Quoi? Mais pourquoi? Non. Non, je pense que c'est juste par rapport à Warhammer 40K spécialement. Il a une armure, c'est donc forcément le Moyen-Âge. Je fais pas les règles. Putain, elle déchire tellement. Mais tu m'avais pas déjà montré cette photo, Absala? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette photo et de faire. Putain, elle déchire. Le niveau swag, il se place là. Franchement, ça va être dur de faire mieux. Hein. C'est une peinture très connue. Ouais, j'ai déjà. Mais je crois que. Je sais pas. En tout cas, elle me dit vraiment quelque chose. Vous faites un truc pour fêter le coup? Bah ouais, dimanche soir. Alors déjà, il y a deux choses dimanche soir. Il y a un premier live de 20h à 22h pour les tipeurs 30 euros de ce mois-ci et du mois précédent sur une heure sans fin. Donc il est toujours temps de tiper 30 euros pour avoir accès à ce live qui. Promet. En plus, il y a toute l'équipe. Il y a Eric, Mascox, Cézétrouille, Alexis et moi. Donc, on sera tous là pour en parler. Ensuite, à 22h, on fait un live public cette fois-ci sur les 10 ans de Gloptopus. Et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ça va être très cool. C'est qui? Il y aura qui en joueur ce soir au JDR? Eh bien, il y aura moi et vous. C'est un JDR solo. Donc, voilà. Trop hâte de finir la campagne D&D cette nuit. Très bien. Est-ce que tu as vu la nouvelle édition de Te Deum par un massacre qui va arriver en janvier? Ouais, j'ai vu Xioto. Je l'attendais parce que ben, j'en ai déjà parlé en live, mais j'ai toujours voulu acheter l'ancienne édition. Mais elle était introuvable ou à des prix absurdes. Et donc, c'est cool quoi. Il y aura des lancers de dés participatifs? Non, désolé. Il y a des lancers de dés de mon côté qui sont assez simples. On commence à la demi, je précise, parce qu'il faut expliquer un petit. Alors, les règles sont extrêmement simples. Mais on va expliquer un petit peu, faire les choix, lancer la partie, etc. Pour le 31 décembre, il y aura qui pour le live du Nouvel An? Je ne sais pas encore, je pense qu'on va être très peu nombreux. Parce que j'ai pas envie que ça soit une cacophonie comme le live Téléchat, etc. Je ne sais pas encore. Est-ce qu'il y aura des figurines? Bien évidemment, tout le monde chez vous, préparez vos figurines. Envoyez-moi vos figurines, s'il vous plaît, pour ce soir. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Vous me dites avec quoi vous jouez, simplement. Ça sera votre personnage pour ce live. Vous l'envoyez sur Twitter, ou sur le Reddit, ou sur le Discord. Voilà. En plus, c'est la personne qui a fait le logo de Mir qui a dessiné la nouvelle édition. C'est vrai? Trop bien. Donc voilà, envoyez-moi vos photos de figurines pour ce live, c'est très important. Bien sûr. Bien sûr. Salut Gordon Chemaway. C'est vrai que le live téléchat, j'ai pas pu rester longtemps, c'était assez bruyant. Ah oui. Oui. Live Nanar Birdemic pour le live du Nouvel An. Tout à fait, ouais. Enfin, tant qu'il n'y a pas de drogue Putain, ni de téléchat, ça devrait pigeon aller. de cul. Je suis sûr qu'il est en train Ni de l'un ni chier. Je l'autre. suis sûr, je vais voir chier si je continue à Désolé. regarder. Allez, chie. Je sais que ça déçoit des gens. Allez. Il a soulevé sa queue. Non, il va chier, c'est sûr. Saloperie de pigeon. Il chie tout le temps sur la voiture. Ce son de sub. Ce son est incroyable. On entend le Covid dans ma voix, mais c'est ça qui rend bien. J'avais vu que je tombe sur Richelieu, c'est classique. Tout à fait, Gordon Chemway. Ouais. Chemway. 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 Et ce soir, c'est un live classique parce que, encore une fois, je remonte, je vais le montrer plusieurs fois dans la soirée, vous inquiétez pas. Le jeu qu'on fait ce soir, c'est quand même peut-être l'un des plus beaux livres que j'ai, si ce n'est le plus beau, hein, franchement. En tout cas, il est dans le top 5, c'est certain. Un jour, je ferai un vrai top 5. Un jour, on fera un live. Je voulais le faire ce soir, et je sais pas, je me suis pas senti de le faire. En vrai, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait Alexis qui gère le cadrage et on fera un live où on passe en revue tous mes JDR.
Alors, le but, c'est pas de faire un live, voilà, mais c'est juste d'en parler, etc. Vous faire découvrir peut-être des jeux, parce qu'il y en a plein qui sont très peu édités. Et voilà, quoi. Donc, on pourra regarder ça. Richelieu, dernier grand sorcier du Moyen-Âge. Moi, quand j'entends Richelieu, je pense à Trichelieu. J'ai entendu parler de figurines. Quelqu'un m'explique. Halfdan Suisse, il faut que tu. C'est une blague, hein, je précise. Mais il faut que tu prennes une photo de ta figurine pour le live JDR de ce soir. Ça sera ta figurine pour ce JDR. Donc il faut que tu envoies une photo sur Twitter avec Globtopus ou Reddit ou voilà. Trichelieu, ce grand philosophe, oui. Mais c'est pas, c'est une blague. C'est sur le fait que beaucoup de gens aiment bien les figurines dans le monde du JDR, ce qui n'est pas la meilleure chose, je pense. Il y a des limites ou une photo de figurine de buveur de sang alternatif pour 1h30. Il n'y a pas de limite, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de réellement de figurine pour ce JDR, bien sûr. Ce sera dans votre tête. Dans votre tête, là où vous pensez, vous réfléchissez à des trucs. Ben, c'est ça. C'est là qu'on est. On va y passer la soirée, en fait. Je vous jure comme débile en mode gna gna gna, vous n'utilisez pas de figurine, tant mieux. Mais en fait, ce que, alors, dans la saison D&D, il y a vraiment quelqu'un effectivement qui a fait ça en disant il vaut mieux des figurines qu'une narration trop lente comme vous. Et je suis désolé, mais Sombre Imagination n'a pas une narration lente. C'est juste, oui, les épisodes font 1 heure, donc c'est long. Mais c'est pas lent. En cherchant la peinture sur Google, j'ai eu plusieurs figurines Richelieu en revue. Trop bien. Juste parle plus vite, quoi. Ouais. Vous entrez dans une pièce, il y a beaucoup de choses autour de vous. Très bien. Vous avancez. L'ambiance devient un petit peu plus inquiétante, et puis vous voyez sur le plafond, effectivement, qu'il y a des lustres, une grande table avec beaucoup de nourriture, et puis il y a une cheminée aussi, avec un feu qui commence à s'éteindre. Il y a quelqu'un qui arrive sur la gauche, et ça paraît être une vieille personne qui approche vers vous et qui vous dit bonjour, vous venez ici pour faire la réunion? Oui, vous lui répondez, et en fait vous commencez à trembler, vous vous rendez compte qu'il fait toujours froid, la porte derrière se referme, et vous êtes à l'intérieur de ce manoir. C'est mieux comme ça? Je sais pas, Cécile est forte là-dedans, moi je suis pas fort. Ah ben là, c'est l'ambiance, c'est bien mieux. Je suis complètement perdu, mais je sais c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Hein. Si tu rajoutes des figurines, ça sera bien. Alors que tu aurais pu passer 45 minutes à acheter des dés pour un seul combat. C'est vrai. Prochaine saison de D&D, on voit ça. Ah mais moi, j'adore les combats tactiques aussi, mais dans Warhammer, pas dans des jeux de rôle. J'ai commencé au Bradin, si vous n'y avez jamais essayé, les gens, ils disent, ah, trop bien, Romain D1. Je vous conseille le marathon au Bradin qu'on a fait, qui est toujours en rediff, qui est incroyable, juste pour vous voyez un petit peu ce que c'est, et puis après vous le faites de votre côté. Je me remets pas de ce son. Hey, on se monte nos trous de balle? Non mais pour voir? Voilà. On va jouer au D&D au Moyen-Âge. Ça, c'est ta figurine d'Apsal, on est d'accord. La figurine d'Apsal, il est nul. Ah mon Dieu, il est nul. On dirait Landru. Merde, Landru avec une perruque, incroyable. Après, ces trucs, c'est mien, j'avoue. Moi j'aime mes figurines, mais c'est surtout parce que j'aime bien les peindre. Ah ça c'est cool, ça c'est cool. J'ai tweeté ma figue. Ah trop bien. Bah apparemment je t'ai bloqué parce que j'ai pas le tweet. T'es sûr? Pourquoi je l'ai... Après Twitter est un peu cassé en ce moment. Est-ce que vous connaissez Elon Musk? Bah... Je l'ai pas, Duck Knuck. Rien à voir, vous savez quand le butin du type 66 euros partira, désolé si ça a déjà été dit. Je vais envoyer un mail en vrai, en fait c'est juste que j'attends... D'ailleurs, attendez, je vais relancer ces trucs pour qu'elle fasse ça, parce que j'en ai besoin, genre la semaine prochaine. Hop.
Du coup, en gros, là, de toute façon, tant que la saison n'est pas finie de diffuser, ça ne sera pas envoyé. Donc, ça sera envoyé en mars ou avril. Voilà. Non, non, c'est pas... Mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Et du coup, bah, vous aurez quand même des photos et tout du dossier. Mais là, on range, on finit de ranger un truc. Et dans les trucs qu'on range, il y a des trucs qui seront dans le dossier. Donc, c'est un petit peu chiant. Mais voilà. C'est en train d'être fait, en tout cas. Et ça va être trop cool. Duck Nuckmousse, c'est toujours pas ton truc. T'es sûr que tu l'as envoyé? En influenceur professionnel que tu es, quel jeu VR conseilles-tu? Alors, le jeu VR par excellence, celui qui plaira à tout le monde, c'est Beat Saber. C'est vraiment celui que tout le monde va kiffer. C'est vraiment le jeu de base que je conseille. Ensuite, vraiment, je conseille Super Hot, qui est vraiment, vraiment très bien. Et je conseille aussi, si vous aimez Rick and Morty, le jeu Rick and Morty est vraiment pas mal, mais surtout, un autre jeu du créateur de Rick and Morty qui s'appelle Accounting Plus, qui est incroyable. Je pense que Resident Evil 4 VR est un très bon ajout pour quelqu'un qui aime bien les Resident Evil et qui se souvient plus trop du 4. Parce que c'est le même jeu, hein, ça va, y a rien qui change, mais c'est cool. Donc voilà. Après, franchement, dans tous les autres jeux VR, il y en a des très bien. Ça va être, il y a des gens qui vont kiffer, tu vois, les expériences comme Moss. Moi, j'aime pas du tout. C'est vraiment fun et tout, mais moi, j'aime pas ce genre d'expérience-là. Et il y a d'autres gens qui vont préférer des expériences très, je vais pas dire élitistes, mais très simu. Avec des trucs de guerre, de machin. Moi, j'aime pas du tout ça. Donc voilà. Ah, c'est bon, ça a enfin marché normalement. Ah, t'avais pas mis le hat, c'est ça? Ah ben voilà, on a une belle petite fille. J'ai passé 45 minutes à acheter des dés pour un seul combat. C'est vrai. Regardez. Parfait. J'ai passé 45 minutes à acheter des dés pour un seul combat. C'est Predator, c'est ça? Je connais, ouais. Half-Life Alyx est vraiment bien. Ouais, pareil. Mais pareil, c'est du pan-pan. Je suis pas super fan du pan-pan. Désolé, hein. Moi, j'aime bien peindre, mais uniquement parce que j'aime bien jouer avec. JDR Wargame. T'as trop bien. C'est celle-là que t'as peint? C'est celle-là, ici, là? Elle est vraiment... C'est la plus belle. C'est celle qui est le mieux peinte. Celle-là, elle est bien peinte, aussi. Impressionnant. Ah, attendez. J'ai fait une présentation à mes collègues ce matin pour détendre l'atmosphère avant notre rétrospective d'équipe et j'ai conseillé Inscription, The Case of the Golden Idol et Rituel. Mes collègues avaient l'air bien épais. Ils sont trois excellents conseils. Attendez, j'ai vu une autre. Il paraît que si tu prends son nom trois fois, il Si j'ai pas Twitter, je fais comment pour la figue? Sur le Reddit. J'avais idée de mettre ce clip sur Reddit. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur le Reddit, vraiment. Si ça pose problème, on vous le dira et on retirera le post. Vous inquiétez pas. Évidemment, si c'est un truc porno ou un truc craignos, bah, le mettez pas, quoi. Soyez malins. Mais si c'est un clip de la chaîne, il y a zéro problème. Et même si vous avez des questions, des trucs comme ça, c'est fait pour. Vraiment. N'ayez pas peur, je vais pas vous ban. Voilà. C'est prévu pour quand la prochaine saison Delta Green? Pour ceux qui ont... profitez de l'offre 33 euros ou 66 euros ou 666 euros. Vous aurez avant la fin de l'année la saison 1. La saison 1 est finie globalement. Il y a les présentations, mais les présentations sont liées au dossier que vous allez recevoir si vous avez pris le palier 66 ou 666. Donc ça va être fait. Enfin, en gros, on finit de ranger des trucs ce soir, littéralement, après le live, là, et on commence la semaine prochaine à filmer tout ça, donc je pense que si j'ai fini les présentations de la saison 1, la semaine prochaine, je pense que je vous les enverrai, semaine pro. La saison 2 est pas encore finie, mais sera finie ce week-end, et la saison 3 la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, les trois saisons seront finies de monter, donc les tipeurs qui ont profité de l'offre 33 euros auront tout, normalement, d'ici le 31, en tout cas, c'est sûr. Donc cette année, vous aurez les trois saisons. Pour les tipeurs normaux, la saison 1, vous l'aurez mi-janvier, la saison 2, mi-février, la saison 3, mi-mars. Et pour le public, eh bien, ça sortira en février, mars et avril. Voilà. Je cherche quelqu'un pour me peindre toutes mes figurines Tool Wars. Bah, si t'as beaucoup de thunes, c'est trouvable.
Comment ça, il y a un Reddit? Eh oui, il y a un Reddit. Vous faites point d'exclamation Reddit sur le chat et vous allez avoir le lien du Reddit. Et il y a un Reddit Globtopus. D'ailleurs, on va bientôt annoncer le vainqueur du petit concours qu'il y a eu la semaine dernière. Salut Eto. J'ai pu finir la saison SF. Maskok, c'est souvent mon joueur préféré dans cette saison. Il est juste parfait. Ou la vainqueuse, c'est vrai. Bah, en vrai, c'est ça qui est chiant, c'est que les gens, je pense, ils se rendent pas compte que peindre des figurines, bah, ça coûte cher parce que c'est vraiment, vraiment complexe, quoi. Donc, les gens, ils sont toujours surpris quand tu leur dis les prix. C'est genre, mais t'imagines le temps que ça prend? Je pense que les gens se rendent pas compte, quoi. C'est une et quoi? On parlait de peinture, justement. Je pense que tu connais les peintures. On a des badges attribués sur le Reddit Clipper, Canard Roi, etc. Ouais, tout à fait. C'est quoi la peinture? Le truc que t'es presque en train de faire? Ça dépend du standard que tu veux, mais ça commence à du 10€ de l'heure en moyenne. Ouais, bah, c'est sûr que oui, il y a peinture de figurine et peinture de figurine. C'est vrai que si c'est juste tu les trempes dans du contraste et puis voilà, bon, c'est pas très cher, évidemment. Il faut sucer qui ici pour être en vie? Merci beaucoup, Leto. Tu gagnes la fin de cet épisode. Je me rends compte que c'est super cher et ça prend énormément de temps et j'ai pas le talent pour ça malheureusement. Alors, Captain Wedo, on n'est pas partisan du talent ici, on est partisan de l'effort. Tu veux pas prendre le temps d'apprendre à le faire. Et ça, sincèrement, je suis totalement d'accord. Je ne prendrai pas ce temps-là. Mais c'est accessible à tout le monde de peindre. De peindre très très bien, peut-être pas, parce que voilà, c'est une question de motivation ou ça, mais tout le monde peut apprendre à peindre des figurines. J'ai discuté avec une artiste qui faisait la peinture de figurines à Octogone, et ça avait l'air ouf et tellement gourmand en temps. Ouais. Peinture de figues, tu payes souvent les pots aussi. Ah oui, évidemment. J'ai mis une figue sur Reddit. C'est bizarre, les mails qu'on reçoit pour les assos et tout, c'est trop bizarre. Il y a des mails, ça fait trop bullshit. Il y a plus de talent, les mines enfermières étaient un peu avec cette gens. J'ai pas le temps pour le moment, avec un petit 6 mois, à la retraite peut-être. Surtout que maintenant, entre les contrastes et autres peintures transparentes et la méthode slap chop, c'est devenu assez facile d'atteindre un niveau sympa en peu de temps. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles méthodes, des nouveaux trucs. Mais c'est ça qui est trop bien avec Internet aussi, c'est que les trucs se partagent, ça évolue, c'est top, quoi. Hop. D'ailleurs, en parlant de contenu cool, ça n'a rien à voir. Mais je rappelle que demain sortiront... Merde, en vrai, elle est incroyable, ta figurine. Elle est trop bien. On dirait le Ice King. Putain, il est incroyable. Il est trop bien. En plus, il y a un petit côté peinture, vraiment. Tu vois ce que je veux dire dessus, qui est trop agréable. Enfin, ça fait pas photoréaliste, ça fait peinture. Et j'aime bien. Elle est trop, trop bien. Et il y a vraiment le petit côté Ice King de Adventure Time, qui est trop drôle. Mais ouais, du coup, hier, en fait, je me rendais compte qu'il n'y aurait rien de posté sur YouTube demain. Du coup, je me suis dit, j'avais une heure. Donc, j'ai vite fait fini un best-of de Live JDR. Et donc, encore une fois, hein, n'hésitez pas à faire des clips pendant les Live JDR. Alors, évidemment, s'il se passe rien, il se passe rien. Mais quand il se passe des trucs, c'est cool parce que ça permet, bah, pour moi, de simplifier énormément les Best of Life JDR et d'en faire. C'est toujours pratique. Donc, regardez. Là, il y a un nouveau live qui est dispo, du coup. Enfin, il sera dispo demain, mais... Voilà. T'as moins de sagesse qu'un enfant de 5 ans.
On s'en fout, il a 5 ans, on l'écoute pas. T'as moins de force qu'une barbe. Qu'est-ce que vous foutez? On a des araignées dans notre cul. Qui est là et qui fait erk, erk, ah. Donc elle est un peu bizarre. Ah. Avec la musique. Bon, je vous laisserai regarder ça demain sur YouTube, bien évidemment. Et en vrai, ça va, ça fait 8 minutes 50, c'est pas si court. Alors, The White Moss, non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de clips qui sont plein de fois les mêmes. En vrai, c'est trop drôle, ce côté-là. Sur les vieux clips comme ça, il y a genre 12 fois le même clip. C'était... c'est celui de... Putain, c'est lequel? Il y en a un où je crois qu'il y a littéralement 12 fois le même. Et c'était vraiment très drôle. Et du coup, en vrai, j'ai pris le moins bon clip. Parce qu'en gros, il y avait tout le moment. Et c'était trop long, mais ça m'a permis de couper. Je sais plus c'est quel moment. Mais c'était un moment récent, c'était un live récent. Et c'était rigolo. Du coup, en voyant le best-of, je me suis rappelé que mon animal totem était un globe. Et oui, vous avez le fameux almanach Globy. Enfin, vous connaissez votre signe Globy. Je ne sais même plus ce que je suis, moi. Canard Globy? Je ne sais pas. La mine exquise, c'est pas pour maintenant. Les gens, je pense que vous comprenez pas le nombre de contenus qui sortent en ce moment pour poser cette question. Je pense que... Attendez, je vais vous donner un petit aperçu pour que vous compreniez un peu mieux comment mes journées se passent. Et quand je dis mes journées, voilà. Depuis le début du mois, tout ça est sorti. Comprenez bien que chaque texte que vous voyez a été écrit par moi, que chaque interface, etc., enfin chaque truc, bon alors, il y en a où ça a été très facile, hein, niveau DA, enfin par exemple, mes cours, il n'y a pas vraiment de DA à faire, parce que bah, tout de suite, elle me pond quelque chose qui est juste incroyable. Pareil, Escape RPG, il y a eu quelques retours, mais c'était vraiment enfin, léger. Après, il y en a où c'est plus complexe, parce que bah, vraiment, il y a des échanges, etc., mais ça, du coup... Tout ça, c'est sorti depuis le début du mois. Je rappelle que c'est toujours dispo sur le Tipeee et que vous pouvez avoir tout ça. Et il y a vraiment, vraiment plein de trucs. Il y en a encore qui arrivent. Là, il y en a des assez incroyables qui arrivent pour la dernière semaine, évidemment. Mais en plus de ça, je suis en train de monter 3 putains de saisons en un mois. Donc 3 saisons de Delta... Enfin, il y a tout Delta Green. Mais en plus de ça, on fait aussi des enregistrements des Mémoires du Mythe. Et en plus de ça... J'organise des tournages de janvier et février. Et en plus de ça, on fait beaucoup de déménagement et de réorganisation de matériel, etc. Notamment pour pouvoir permettre du coup, les dossiers Delta Green qui arrivent dans les prochains mois. Et en plus de ça, je gère des clients et donc je gère mes revenus perso, quoi. Et en plus de ça, on a fait le marathon téléchat qui était... parce que vous, c'est un marathon qui prend 8 heures. Mais du coup, il y a la route pour y aller. Il y a le fait de l'organiser, etc. Machin, etc. C'est assez long. Et en plus de ça, il y a les lives. Parce que vous avez quand même des lives, malgré tout. Et en plus de ça, il y a le fait de devoir supporter mes chats qui m'attaquent. Et chaque artiste a été fouetté par Maxime, ce qui prend beaucoup de temps. Bah oui, c'est ça. À chaque fois, je suis obligé de leur dire que c'est pas grave quand ils saignent, etc. Quand on dit que maintenant, j'aurais de place, c'est 5 heures avec les méthodes motards de peinture et pas 2 semaines, c'est énorme. Bah ouais, c'est cool, en vrai. En vrai, franchement, déjà, ce niveau-là, c'est juste absurde, en fait. Après, c'est sûr, t'as toujours des gens qui font des trucs de ouf derrière, qui prennent plein de temps, quoi. Mais c'était... moi, j'ai une figurine qui a été fabriquée et peinte par Loïc Musy, du coup. Banaman. Et ça, j'ai trop hâte. Et après... je crois que j'en ai... Si, j'en ai une de Xanatar. Qui est trop bien, que j'ai acheté du coup. Mais du coup, vous voyez, sur Etsy, vous pouvez trouver ça. Des gens qui font des figurines, vous achetez la figurine peinte comme vous le souhaitez, etc. Et c'était pas si cher, hein. Parce que t'avais la figurine avec.
Sur Fiverr aussi. Alors, Fiverr, j'ai pas regardé, j'avoue. En fait, le problème, c'est que j'ai du mal avec Fiverr. Dans le sens que beaucoup de trucs sont sous-payés de ouf. Mais après, s'ils mettent des prix corrects, c'est bien. Le niveau est absurde et pourtant, tu verras la technique, c'est un truc de bois. Ouais, je me doute. Bah oui, j'ai vu des vidéos où c'est, tu vois le truc, c'est en mode boîte. Bien bonsoir, la première fois ici, je vous ai découvert avec les dernières vidéos D&D, j'ai accroché direct. Gros, merci beaucoup, Wolfdraw. Salut, Needle Fortune Tyrell. Du coup, on va commencer. Je vais faire une annonce Twitter pour dire qu'on commence quand même. Bon, je me doute qu'on va, hop, pas attirer masse de monde non plus. Parce que c'est évidemment pas un JDR simple. Donc, les gens ne veulent pas le découvrir, comme d'hab. J'ai l'habitude. Tout va bien. Alors, hop. C'est parti pour une soirée JDR. Oula. Soirée JDR. Voilà. C'est réservé à lui, tu peux lire. Ouais, c'est surtout que les gens sont pas très curieux, hein, en général. Vous venez me Merci beaucoup, Leto. Tac. Faut éviter Fiverr tant que possible. Ils s'assoient sur le code du travail. Ils sont en train de flinguer les prix des prestats. Ben c'est ça. Moi, j'avoue que sur Fiverr, ce que j'aime pas, c'est que tu vois des services qui sont à 20 balles, alors que ben, tu sais que la personne y perd nécessairement. Quoi. Ça, c'est pas cool quand même. Ils font rien contre le travail des enfants aussi. Bah ouais, c'est vrai que je pense que n'importe qui peut faire n'importe quoi en fait, donc ouais. Hyper, mais elle fait perdre tout le monde en fait. Ah oui, bah oui. Bah c'est le problème du marché quoi. Pourquoi il veut pas publier ? Après, je suis d'accord et je suis pas d'accord dans le sens que, en vrai, il faut savoir que ces services-là, de toute façon, la plupart des gens qui passent, enfin beaucoup de gens qui passent par ces services-là, comme pour les trucs d'IA, ne seraient pas passés par un illustrateur, par exemple. Et donc, le problème existe, ça je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que ceux qui font par exemple des vidéos à 20 balles, de toute façon, le mec qui prend le truc à 20 balles, il aurait jamais pris un truc au prix normal. C'est comme les sites internet, y a plein de clients que j'ai vus des fois, enfin à l'époque où je faisais des sites internet, donc c'était très longtemps, mais où en gros, quand tu leur disais les prix, ils faisaient quoi, mais ça peut pas être 400 balles, c'est pas possible, moi je peux le faire tout seul sur... Je peux le faire tout seul sur tel ou tel site et tout. Et ils le faisaient, en fait. Parce qu'en gros, ils n'étaient pas prêts à dépenser cet argent-là. Donc c'est vrai que ça y est, ça. Mais après, en vrai, Fiverr défonce le marché parce qu'il y a des gens qui, par contre, font des prix crédibles, mais vraiment, vraiment bas. Genre, pas 20 balles, quoi. Oui, 400 balles. Non, mais c'est des sites vitrines, Gekmo. Et c'était pas cher. Mais je parle de prix... Là, moi, ce que je parlais, c'est surtout des prix cassés de fou. Quand t'arrives et que tu vois, genre, 20 balles la vidéo... Pour un truc qui va au moins prendre 2 heures, bah c'est cool, mais du coup c'est absurde. Parce que si tu prends au moins 2 heures pour la faire, ça veut dire que la gestion de commande, elle, va prendre combien de temps? Et ensuite, bah, ça veut dire que toute ton expérience, elle coûte rien. Donc, ouais. J'avoue, Fiverr, dans le domaine du dev, c'est abusé. Tu trouves des gens prêts à payer 20 balles pour des projets qui devraient en valoir 1000. Ouais, c'est ça. Mais tu vois... Là, pour moi, en fait, c'est juste que ça crée... Enfin, pour moi, c'est plus problématique pour la personne qui rend le service. Parce que le marché, en fait, je te dis, si t'es pas prêt... enfin, si tu payes 20 balles, t'es pas prêt à payer 1000. De toute façon. J'utilise Fiverr pour faire surtout de l'impression 3D. Ouais, ben... Mais t'as des sites hein, qui font ça, pour le coup. T'étais dev aussi. Non, j'étais intégrateur HTML, ça n'a rien à voir. Je ne fais pas du développement. Enfin, j'avais des bases de base, mais c'était vraiment rien. Et puis c'était surtout en Flash. Donc clairement, pas... Non. Voilà, ma réponse sera non.
20 balles pour 2 heures, c'est même pas le taux du SMIC. Bah, et puis même, c'est genre, comme je dis, c'est, t'as le travail, et puis t'as le fait que la personne... Bah, en plus, souvent, c'est des... Enfin, des enfants, je sais pas. Pour le coup, vous connaissez certainement mieux Fiverr que moi. Mais des enfants, je sais pas s'il y en a. Je pense qu'il y en a, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de restrictions sur ça. Mais bah, par exemple, moi, c'était sur les voix off, où en vrai, ça m'a permis de trouver des voix off, mais dans les voix off, t'as 3 catégories de prix. T'as ceux... bah, qui sont à 20 balles et du coup c'est ridicule. T'as ceux qui, comme le disait Audrey, posent un problème parce qu'en fait ils sont clairement en dessous. Ils sont à un prix qui est crédible si vous voulez. Mais c'est genre, c'est pas les prix du marché quoi. Ils sont en dessous des prix du marché. Mais ils sont à un prix crédible. Donc ça c'est problématique. Et ensuite t'as les gens qui sont à un prix tout à fait normal et qui proposent vraiment un service. Et c'est pratique. Merci Captain Fox. Ça impacte tout le monde parce que quand tu arrives dans une prestation en tant que client, tu te dis ok, ça coûte 20 balles, fine, comment ça 400, c'est méga cher alors que ça en coûterait 1000. Ouais, mais je te dis ça pour moi, c'est ceux qui font à 400 alors que ça coûte 1000, là pour moi, eux ils sont problématiques. Ceux qui font 20 balles, c'est des enfants. Ils savent pas ce qu'ils font. Parce que de toute façon, leur activité est pas. Ils peuvent pas en vivre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va très vite se casser la gueule. Mais c'est beaucoup d'illustrateurs, hein, soit dit en passant, font des prix qui sont beaucoup trop bas. Hein. Et c'est pareil, dans le marché de l'illustration, c'est compliqué parce qu'il y a des gens, ils comprennent pas le fait que, bah déjà, une illustration, il y a une grosse différence entre ton illustration, est-ce qu'elle est numérique, est-ce qu'elle est physique, est-ce que tu donnes la version physique, donc l'original, ou est-ce que tu donnes une copie, donc une version numérique, le cadre d'utilisation, c'est quoi, c'est combien de temps, pourquoi, et ça, c'est, il y a plein d'illustrateurs qui sont out là-dessus. 45 mois. C'est vrai, Sarah. Mais c'est pour la science. Fiverr, il y a des enfants, il y a eu des articles qui sont sortis sur le sujet, et c'est les enfants qui sont le plus mis en avant, vu qu'ils n'ont aucune facture à payer, ils ne s'en rendent pas compte. Ouais, mais tu vois, on rejoint le côté 20 balles, quoi. Ça, c'est vrai que c'est chaud. Salut, Linkus. Sauf que Fiverr, t'as ton impression pour 30 balles, mais elle est caillée, alors que sur les sites d'impression, t'as souvent de très mauvaises surprises pour faciliter 50 à 100 balles. Alors ça, c'est vrai que l'impression 3D, je pense que c'est encore autre chose, parce qu'il y a un travail, mais il est minime. Enfin, tu lances une machine, quoi. Après, t'as l'expérience de la personne qui le fait, la qualité de la machine, etc. Évidemment, mais je pense que la personne s'en tire plutôt bien. Quand tu vois la boîte où je suis maintenant à payer pour une mascotte en forme d'anticorps dégueulasse, 5K pour 3 logos de dope, des dope, fait mieux sur PowerPoint. C'est compliqué, hein, les logos. Hein. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a toujours fait bader. C'est quand tu vois une entreprise et que tu sais combien ils ont payé pour leur logo et que tu vois le logo... Et qu'en fait, tu t'apprends comment ça a été fait. C'est absurde. T'as des réunions d'une après-midi juste pour décider de la couleur. Mais ça sert à rien. Enfin, genre, ça sert à rien de demander à 30 personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est un logo ou de ce qu'est la science des couleurs ou de choisir une couleur. C'est pas à eux de choisir, c'est à la boîte qui fait le logo ou la personne qui fait le logo de dire bah, tenez, je vous propose ça, ça et ça. Et le client dit soit il y en a un des trois qui lui plaît, soit bah, c'est une autre, ils disent celui-là j'aime bien, mais machin, machin. Et là, t'as une autre opale, tu vois. Mais tu peux pas demander à des gens qui n'ont aucune connaissance de comment ça, c'est absurde. Bref. De toute façon, il faut choisir 666, hashtag 666 comme couleur, le grid du démon, tout à fait. Enfin, normalement, le prestat est censé justifier ses propositions. Oui, Romain D1, mais je peux t'assurer que dans ces réunions-là, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Illustration à l'ère d'Internet, il y a tellement d'artistes qui crèvent de faim à travers le monde qu'au black, les prix sont si bas que ça en est aberrant. Ouais. Ah ben, moi, ce qui me choque, c'est beaucoup d'artistes que je suis, que je qualifierais de... Enfin, des putains de maîtres en la matière, tu vois, des références qui galèrent de ouf. Et c'est genre, tu te dis, mais comment c'est possible? Les mecs, c'est des dieux. C'est chaud, hein? Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont foutu les boss dans une salle, ils ont choisi le logo. Je pense que l'artiste a dû le faire sur Paint en 10 minutes max. Peut-être pas Paint. Mais il s'est tapé 2 semaines de réunion avec des vieux cons champions de mainstreaming. Ah, mais c'est ça qui est horrible. C'est qu'ils pensent... Enfin, moi, j'ai déjà vu des gens m'expliquer comment faire une vidéo. Et ça fait genre, mais vous savez pas le faire. Et vous ne savez pas ce que vous voulez, et on tourne en rond. C'est horrible. Le logo, en théorie, c'est complexe à mettre en place. Et quand tu vois les trucs qui sortent, on se demande si c'est vraiment aussi compliqué. Bah, il y en a où, tu vois, c'est fin.
Il y en a où tu dis, ouais, en fait, ce qui a été choisi, c'est parce qu'il voulait une rondeur, machin, et ça. Tu peux voir le prix où il va. Mais il y en a plein où c'est impossible. C'est juste impossible. Je repense à cette vidéo avec les deux lignes rouges parallèles qui doivent se creuser. Quoi ? Ça me dit. Ah. Bon, les gens. Je vais lancer la musique de l'ambiance. Si tu veux des rondeurs, t'as juste cette idée du comics sans MS, c'est tout. Moi, j'adore aussi, c'est les clients qui utilisent des photos dans des vidéos. Ils m'envoient les photos et moi, je fais. Vous avez les droits des photos ? Et ils font, nous les avons trouvés sur Google Images. Donc je prends ça pour un non. Je vais plutôt vous proposer d'autres photos dont j'ai les droits. Nous préférions les anciennes. Les anciennes étaient mieux. Oui, mais vous n'avez pas les droits. Où est-ce que sont les musiques de l'horreur? Les musiques de l'horreur. Putain, il y a une musique qui s'appelle 300 ans. 300 ans vieux. Très bien. Elle est un peu forte, la musique. Mais elle est cool. Là, on est bien, là? C'est bien, là? Trop bien, Bagua, pour la ref. D'accord, bah je regarderai plus tard. Donc. Nous allons jouer à Thousand Year Old Vampire. Donc, c'est un jeu solo. Qui est du journaling, c'est-à-dire que nous allons écrire au fur et à mesure l'histoire et la faire évoluer. Donc, je ne ferai pas de vote, je regarderai vos propositions dans le chat et vous pourrez ainsi me faire des petites propos et dire, bah, tiens, tel truc ou tel truc, mais voilà, je ne vais pas faire de vote. Nous allons donc jouer un vampire et nous allons le créer ensemble au début. J'ai donc pour cela, donc je vais pas vous montrer le livre comme ça parce que je trouve ça extrêmement chiant. Je vais directement vous le montrer à l'intérieur. Je précise que on va préciser l'auteur quand même, c'est Tim Hutching et le bouquin est trouvable. Je crois qu'il l'était à une époque sur Philibert, mais il est sur DriveThru en tout cas, c'est certain. Donc n'hésitez pas à le prendre sur DriveThru. Je précise que l'édition que j'ai, c'était l'édition d'un Kickstarter ou d'une vente, une pré-vente. Donc je sais pas si vous pouvez la trouver sur internet, celle-là. Hop, vous l'entendez bien la musique ? Trop peu fort. Je peux la monter un peu. Voilà. Donc. Voilà. Donc là, c'est la fiche perso, tout simplement. Nous allons au fur et à mesure... accumuler des mémoires, les perdre, accumuler des compétences, les valider, accumuler des ressources, les perdre, connaître des personnages, les voir mourir, et avoir des marques. Donc ça, voilà. Est-ce que c'est lisible sur l'écran ? Je pense que oui, non ? Attendez, je peux peut-être faire ça. Voilà. Alzheimer, le RPG. Alors non, c'est parce qu'on vit très longtemps, quoi. L'auteur vend encore l'édition physique. La dernière fois que j'ai cherché avec, les frais de port, ça pique, ouais. Ah, ça, c'est sûr. Donc. Hop là. Donc voilà, notre personnage, enfin, notre vampire est défini par 5 traits. Les mémoires, les compétences, les ressources, les personnages et les marques. Donc, les mémoires sont divisées en 5 mémoires. On va avoir 5 mémoires et chaque mémoire est composée, si je dis pas de bêtises, de 3 expériences. C'est ça ? Une expérience. Je crois que c'est ça. Et donc en gros, ça veut dire que une mémoire, vous allez voir après, mais par exemple, ça c'est une expérience.
c'est une phrase. Alors oui, les phrases peuvent être très longues, mais c'est une phrase par expérience. Et du coup, ça constitue le début d'une mémoire. Les mémoires sont liées ensemble par des thèmes, plus ou moins. Et donc, si une expérience ne correspond à aucune des mémoires qu'on a, eh bien, nous effaçons une mémoire pour en créer une nouvelle, tout simplement. Ensuite, nous avons... Hop là. Donc là, il y a plein de mémoires que vous voyez. Alors, les journaux, c'est un truc... On va peut-être pas le faire dans cette partie-là, parce que ça, ça allonge le jeu. Je suis pas certain que ça soit une bonne idée. Mais en gros, les journaux permettent de mettre des mémoires de côté dans un répertoire physique qui peut être perdu, brûlé, enfin voilà. On verra. Peut-être qu'on fera quand même les journaux. Ensuite, il y a les compétences. Donc, les compétences, ça peut être ce qu'on peut faire ou ce qu'il pourrait faire. Donc là, par exemple, ils mettent, voilà, faire de, enfin, de l'escrime, faire un, opérer des, opérationner, oui, plutôt, faire, agir sur des, de la grosse machinerie, ou apprendre tel, tel ou tel, enfin, apprendre tel ou tel truc à quelqu'un, enfin, voilà. Encore une fois, elles peuvent être validées après au fur et à mesure de la partie, ça veut dire qu'on les a fait, et ça montre, l'évolution de notre personnage. Et on n'est pas obligé de valider toutes les compétences au fur et à mesure, vous allez voir ça. Ensuite, nous avons les ressources. Donc les ressources, c'est tout ce qui est à nous. Ça peut être, comme ils disent là, un équipage chevaleresque, une tiare en diamant, un château, un empire de mafieux, une légion romaine, une clé d'un truc précieux, des bougies, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Encore une fois, elles vont s'épuiser aussi au fur et à mesure. Voilà. Et il y a des stationary ressources, donc c'est des choses qui ne peuvent pas être déplacées. Donc par exemple, une cave hantée, une statue gigantesque de Seth, ce genre de truc-là, ou les titres d'une propriété, enfin voilà. Enfin, il y a les personnages. Les personnages se divisent en deux catégories, les personnages mortels, les humains, et les personnages immortels. Les personnages mortels sont définis par un nom, un prénom, enfin voilà, et vont ensuite avoir une petite phrase. Au bout d'un moment, ils mourront. Soit parce que le temps passe, soit parce qu'on les tue, ou soit parce qu'ils meurent dans l'histoire, vous allez voir ça. C'est comme ça. Et donc il y a des personnages immortels. Les personnages immortels, ça peut être des démons, des vampires, des fantômes, des expériences scientifiques foireuses, des démons, enfin des divinités oubliées, des choses comme ça. Dans la bouche. Merci, oh, oui, je vais couper les sons de ça. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons les marques. Donc les marques, c'est la dernière chose. C'est un élément assez particulier qui va nous définir. Une marque, quoi, qui va nous définir. Donc là, ils donnent des exemples qui sont pas mal, je trouve. Une paire de grandes ailes de chauve-souris. Mais je les ai coupées avec une scie. Il reste que les petits bouts dans mon dos. Où mes yeux sont hypnotisants, donc je dois porter des lunettes. Au vert teinté, un sombre halo que je cache, comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, bref, un sombre halo que je cache avec un grand chapeau, sous la lune, mon ombre prend la forme d'un jaguar, auréole, merci beaucoup, les animaux ont peur de moi et les enfants pleurent, enfin voilà, je peux devenir un, c'est quelque chose qui va définir notre vampire. Donc on va pouvoir définir tout ça, qui on est, quoi qu'on est, quoi qu'on fait, etc. Déjà, ça c'est ce qui va définir un vampire. Le vampire qu'on va jouer peut être tout et n'importe quoi, qu'on soit bien d'accord. Donc, moi je vais vous lire, hein. Mais là, c'est les faits qui vont concerner notre vampire. On va devoir se nourrir en chassant des humains. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'on boit leur sang? Est-ce qu'on boit autre chose? Est-ce qu'on les dévore? Ça, c'est autre chose. On va devoir
se camoufler parmi eux pour vivre. Donc on vit parmi eux. Ensuite, on a été un humain à une époque et on a toujours des besoins humains d'une manière ou d'une autre. On est susceptible à des dangers environnementaux que les mortels réguliers ne sont pas concernés. Par exemple, la lumière du soleil. Nous sommes pratiquement immortels et nous sommes solitaires. Voilà. Le reste peut être tout et n'importe quoi. On peut avoir une peau qui brille, on peut avoir être sensible aux pieux dans le cœur ou pas. Pas être visible dans le miroir. Voilà quoi. Donc maintenant nous allons créer une personne. Donc la première mémoire va commencer avec une expérience qui va résumer qui nous sommes. Donc qui on est. L'idéal, c'est de commencer à une période, voilà, on peut commencer à l'Antiquité, mais on peut commencer aussi au Moyen-Âge, à la Renaissance. C'est vous qui voyez. Donc, qu'est-ce qui pourrait être ? Moi, je pense que... Déjà, j'aimerais bien qu'on soit... on peut être une femme, pour une fois, pour faire une vampire, c'est quand même bien. Donc, je suis... Comment s'appelle-t-on nous ? Antiquité, d'accord. Gardienne de chef, c'est pas mal. On peut être une gardienne de chef. Donc, je suis une gardienne de chèvre. Ok. Chèvre ? Je sais pas. Chèvre. Ok. Niveau prénom, née courte. Non. Erika, non. Déjà, où est-ce qu'on se met ? On se met en France ? C'est plus simple. Genre, on peut se mettre dans le sud de la France, un truc comme ça, dans une ville... Qu'est-ce qu'il y a en France à l'Antiquité, ça ressemble à quoi, Antiquité ? France. France, Antiquité. Ça s'appelle comment, le sud... Je connais pas les noms des villes du sud, moi. Genre vers... Non mais près de la mer c'est cool, non? Genre vers Nice. Nice, Antiquité. Voilà. Nicaïa. Nicaïa la victorieuse. Et ça date d'il y a longtemps ça, putain. Nissa ? Ça se disait comme ça ? Nicaïa, ok. Je suis une... Donc je suis... Comment on s'appelle ? Massilia, c'est quoi ? Massalia ? Ah, Massalia, vous parlez de Marseille, mais non. Donc, de chèvre à... Ni... Enfin, proche de Nicaïa. Ok. Proche de Nicaïa. Qu'est-ce qu'on va mettre comme période? Je sais pas, moi, on se met en... On se met en quelle période? Pas méga méga vieux quand même. En moins... Au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est toujours... c'est bon, ça marche. Donc au deuxième siècle avant JC.
Ok. Comment s'appellent les gens? Vous m'avez pas donné de prénom intéressant pour l'instant. Donc, prénom, femme, antiquité. Yes. C'est que des noms de divinités, c'est très bien. Bartholomia, yes. C'est que des prénoms de divinités, c'est trop bien. Belphégor, parfait. Ah, c'est vraiment que des prénoms... Agrippine, c'est pas mal en vrai. Enfin, Agrippina, je suppose. Du coup, mais... Agrippina. Agrippina. Ça peut se dire Agrippine, du coup. Agrippina, ça se dit Agrippine, quoi. Genre là, je vois Agrippine la jeune. C'est ça. On peut... elle va s'appeler Agrippina. Pas à sa naissance, quoi. Allez, hop. Agrippina. On va le mettre en gras. De paix, Agrippina. Ok, je suis Agrippina, une guerrière de chèvre, proche de Nicaïa, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'ai... J'ai fui. Hop. Mais... Hop là. J'ai fui ma famille. Mes obligations. Familiales. Voilà. Je trouve que c'est bien. Elle a ses obligations familiales à la con. Elle les a fui. On commence avec ça. Ensuite, il y a 3 mortels qui vont être liés à nous. D'accord. Ces 3 mortels, ça va être des proches, des amis, des amants, des ennemis, un mentor, quelqu'un à qui on doit quelque chose. Peu importe, d'accord. Donc. Je pense que... Il y a... On peut être poursuivi par notre père ou notre mère, ça peut être cool. Notre père, c'est peut-être mieux. Genre, Erkaios, ça se tient comme prénom. Erkaios, notre père. Qui nous traque. Enfin, je vais dire qui me traque. Hein. Qui me traque. Depuis ma fugue. Mais ça, il veut nous marier. C'est pour ça que j'ai fui mes obligations familiales. Pour ça, en fait. On peut avoir une meilleure amie. Ça peut pas être quelqu'un au service de ton père. Bah alors, c'est des mortels. Ils vont instant crever. Enfin, genre, vous inquiétez pas. Ils vont pas être là très longtemps. Une amie, comment on l'appelle? On l'appelle Né... Né... Comment on dirait court? Nekura... Nekura. On l'appelle Nekura. Notre meilleur ami. Qui... Nous. Faut que j'arrête de dire notre, putain. Ma meilleure amie. Qui m'a aidé. Enfin, avec qui j'ai fui. Avec qui j'ai fui et vis. Maintenant. Ok. Et la 3e personne, une vieille.
qui s'appelle Urtena. Urus, ah putain merde, c'est bien ça. Urus Tigania. Urus Tigania. Une vieille femme vivant dans la montagne. Voilà. Est-ce que c'est plus que... Je pense que c'est pas mal, hein. Donc maintenant, quelques mots. Sachez que ce personnage... Ouais, voilà, ok. On va faire 3 compétences. Ok. 3 compétences et 3 ressources. Donc, compétence numéro 1. On sait... Élever des chèvres, on s'en branle. On a un animal touch, quoi. On est doué avec les animaux. Ça, c'est pas mal. C'est compté jusqu'à 3, visiblement. C'est vrai. Déguisement. Est-ce qu'on s'est déguisé? Ouais, c'est pas mal. Doué en déguisement. Ok, c'est cool ça. Crochetage, c'est un peu hardcore. Moi, je trouve que... Pistage. Ouais, dressage, survie, chasse, se repérer dans la campagne, ouais. S'orienter dans la montagne. On va dire, on vit un peu dans la montagne. C'est une chèvre, Nikaya, il y a des montagnes. Ok. Et donc, on a 3 ressources. Donc, la première ressource, c'est un troupeau de chèvres. Ok. On est d'accord là-dessus. Il faut que j'arrête de mal écrire chèvre. Je pense qu'on a un couteau. Un couteau volé à notre père. Ah, à mon père. Ça, c'est cool. Et ben la cabane. Là, une cabane. Une cabane qu'on partage avec Nekura. Ça vous va? Ensuite, 3 expériences supplémentaires. D'accord. Chacune de ces expériences doit combiner 2 des traits de vos vampires. D'accord, donc ça veut dire soit 2 compétences, soit 2 ressources, soit 2 personnages. Donc déjà, Nekura a vu mon père Erkaios me chercher à Nikaya. Elle m'a proposé de fuir à nouveau. Oups, ok. Ensuite, on peut faire une compétence, un personnage, etc. de fuir. Ok. La vieille femme, enfin, Urus Tigaya, Tigaina, Tigania. Urus Tigania a... Enfin, n'arrête pas de se cacher parmi mes chèvres pour m'observer.
c'est pas mal. Et 4. J'ai utilisé mon couteau pour faire une carte des environs afin de trouver un lieu où me cacher. Pas mal. Couteau avec orienté dans la montagne. Voilà, et c'est relié tout ça, d'accord. Ok, donc je suis Agrippina, une gardienne de chef proche de Nicaea, au 2e siècle avant Jésus-Christ. J'ai fui mes obligations familiales. Nekura a vu mon père Archaeus me chercher à Nicaea. Elle m'a proposé de fuir à nouveau. Eurustigania n'arrête pas de se cacher parmi mes chèvres pour m'observer. Et j'ai utilisé mon couteau pour faire une carte des environs afin de trouver un lieu où me cacher. Si nécessaire. Ok. Donc, dernière fois, dernier truc, il faut créer maintenant un immortel. Donc, c'est celui qui va me transformer en vampire. D'accord ? Et qui va... Qui c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc là, là, c'est important quand même, hein, les gens. Edward Cullen, tout à fait. Ouais. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. C'est juste... Il m'a transformé, ça peut être une mythologie, ça peut être ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme mythologie cool, créature mythologique qui pourrait transformer en vampire ? Le Dahu, yes. Une Ampoussa. Alors, ça me fait rire parce que c'est pas du tout ça. C'est un insecte, du coup. Le truc que j'ai vu. Mythologie. Ampoussa. Créature fantastique, démon femelle. Mmh. Bah écoutez, l'Ampoussa c'est pas mal, hein. Donc, on va la nommer. Bah on l'appelle, elle s'appelle Ampoussa, et puis c'est tout, quoi. Donc, Ampoussa. Une démon. Ancestrale. Perdue dans une... Hop là. Ancestrale, elle m'a transformé quand... Enfin, elle m'a maudit même. Elle m'a maudite quand je suis tombé dans sa grotte. Ok. Donc maintenant, j'ai une marque suite à ça. Qu'est-ce qui me définit en tant que vampire ? Quel est le... l'élément qui me définit, quoi. Mmh.
dans un creux à la place du cœur. Les yeux, c'est vrai que c'est cool, mais c'est difficile à cacher, mais... Des yeux de chèvre, merde, c'est cool. Alors attendez, Lampoussa, généralement figure avec un pied d'airain et l'autre constitué d'excréments d'âne. Se nourrit de chair humaine. Ok. Elle danse. Ouais. Un ligue blanc dans ses cheveux. Un ligue. J'aime bien l'idée d'avoir juste un creux dans le torse. C'est cool en vrai. Donc, un creux. Enfin, un trou quoi. Un trou dans la poitrine. Là où était mon cœur. Ça se dit pas, démon ? Trou dans la poitrine, là où était mon cœur. Impec. Moi, j'aime bien ça. Un creux dans le torse, c'est un truc qui arrive n'étant humain. Non, pas genre les thorax baisés. Je parle vraiment d'un creux, quoi. Ça doit être pratique pour enregistrer que les sécrétaires. Et donc, l'expérience, c'est... En cherchant une chèvre... Non. En fuyant mon père qui... Mon père qui m'avait retrouvé, je suis tombé dans une grotte où une démone... Donc, Ampoussa m'a maudit. En me retirant le cœur. Là où était mon cœur. Je dois le remplir pour survivre de sang. En gros, je ne nourris pas de sang. Je remplis mon trou, quoi. Ah non, j'avais bien écrit. En vrai, c'est pas mal, non? On avance. Très bien. Une fois que c'est fini, on a donc 3 compétences. Doué avec les animaux, doué en déguisement, s'orienter dans la montagne. Ça sonne bien, remplir son trou, tout à fait. 3 mortels, un immortel, une expérience dans chacune de mes 5 mémoires. Tout à fait. Et du coup, eh bien les gens, nous allons démarrer. Donc nous allons répondre à la première... prompt, et ensuite on lancera les dés. Donc on commence à 1, et ensuite on lancera un D6 et un D10, et on retirera le résultat du D6 du D10 pour aller au nombre de pages, soit positif, soit négatif. Donc, premier prompt. Dans votre fin de sang, vous détruisez quelqu'un proche de vous. Tuer un personnage mortel,
créez un mortel si aucun n'est disponible et prenez la compétence assoiffé de sang. Ok, donc déjà on va se mettre la compétence assoiffé de sang. Est-ce que j'ai le droit à plus de 6 Sora? Je pense que oui. Je pense qu'on peut avoir. Donc assoiffé de sang. Bon, on tue mon père. Hein. Arkaios, on tue mon père. Alors comment ça se... Attendez, comment ça se passe quand on tue un mortel? Je m'en rappelle plus. Je crois que juste il est dead quoi. Characters. Ouais, c'est tout, on le dead. On dead ça. Arkaios. Y a pas strikeout. Yes. Attendez, comment on fait pour faire le... Y a pas ça? Il y était? Ah bon? Ah putain, il était à gauche, excusez-moi. Bah, Alt, Mach 5, ok. Arkaios est mort. Donc, là, on complète... pour moi, c'est... ça se rajoute à... Ça se rajoute à ça. Hein. On est d'accord. Hein. En revenant dans... En sortant... Hop là. En sortant de la grotte, mon père, Arkaios, m'a confronté, emporté par la rage et la faim. Je l'ai réduit à néant. Et me suis gorgé de son sang afin d'emplir le vide de mon cœur. Ça s'écrit pas comme ça, emplir? Emplir avec un A peut-être? D'amplifier. Attends, ça se dit pas emplir? Emplir, si, ça se dit. Il y avait un... Ok. Impec. Suivant. Donc, D10. D6. attendez. Je vais casser directement les dés. Donc, le D10 fait 10. Le D6 fait 2. Donc ça fait 8. Nous allons à la page numéro 8. 8, attendez, non, plus 8. Donc à 9. Ok. Vous développez un système pour la nourriture. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe à ceux qui meurent? Pour ceux qui meurent, créer un skill qui reflète ça. Putain. Comment on gère ça? On a notre couteau. On a notre couteau. Il y a aussi les animaux. Mais on peut pas gérer. Donc on système pour se nourrir. Moi je pense qu'on essaye de justement les... Oh, putain, comment on peut faire ça quoi? Oh non. On fait ça avec notre meilleure amie. Genre c'est elle qui nous donne son sang. Ah mais si elle meurt, ça veut dire que d'autres gens meurent en fait. Putain. Système éthique ou pas? Bon, on s'en branle, non? C'est juste quel est le système? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui meurent? On n'est pas obligé de répondre à tout, hein. Tu attires le bétail des gens loin de leur troupeau et les tues quand ils partent à leur recherche.
Un système pour se nourrir, les gens. J'aime bien le système. Moi, j'aime bien les deux. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux entre tenter de maintenir notre meilleur ami dans ça et utiliser son sang à elle tant que possible, ou bien juste dire non mais vas-y, on va tuer d'autres gens quoi. Elle va pas durer longtemps. Ouais, mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est dramatique. Parce que buter des gens, c'est hardcore quand même. Ouvrir une charcuterie et manger du boudin de péon. Yes. Est-ce qu'il me va speedrun le jeu? La première option, ça fait du drama, quoi. Moi, je trouve ça cool, hein, les gens. Option 1, d'accord, ok. Donc, Nekura avait mon père Arcaïos, a proposé de fuir à nouveau. Face à ma fin de sang, elle a proposé de me donner le sien régulièrement. En faisant des saignées ou en utilisant ces menstrues. Ça va? Rien n'a dit que je pouvais pas boire du sang de menstrues en vrai. C'est pas du... c'est... Il y a un peu de tout, mais voilà. Remplis-moi le trou avec des menstrues, mon dieu! Rien n'est plus pareil quand t'as sucé ta pote. Ben, c'est ça, quoi. Ok. Face à ma malédiction, je vais mettre, plutôt. Parce que... le truc, c'est que c'est une malédiction, vous voyez? Ok. On continue. C'est de la prod, ça passe. Ben, c'est ça. Donc, numéro 10, on fait 3. Et numéro 6, on fait 5. Moins 2. Moins 2, les gens. Votre corps... Attendez, il y avait un autre... Le skill, oui, c'est vrai, le skill. Attendez, il y avait un skill, oui. Il y avait un skill à ajouter, excusez-moi. Patience. La patience, on apprend la patience avec ça, le calme, le zen, tu vois ce que je veux dire. Alors, votre corps manifeste des traits reliés au vampire qui vous a créé. Comment vous devenez plus comme eux? Créez un skill qui reflète ça. C'est pas un ennemi, hein, immortel. C'est pas un ennemi, hein. La démone ancestrale, elle danse. Est-ce qu'on vivrait pas... Ouais, on vit dans une grotte, c'est trop bien, ça. On s'habitue à vivre, voilà... Voilà, ici. Elle a des sandales en bronze et un cul d'âne. C'est nul à chier, putain. Je vis dans une grotte. Dans la cave. Dans la cave de ma... de ma cabane. Ou dans une grotte, ouais, dans une grotte aménagée de ma cabane et ne sort que la nuit. Et donc on a vision, hop là, vision nocturne. Trop bien. Ok. Pour l'instant, c'est positif. Hein. 10. Moins 2. 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que vous voyagez, vous entrez dans un conflit avec un autre immortel. Gagnez une marque. Qui sont-ils? Quel piège vous leur faites? Créer un nouveau personnage immortel. Ok, d'accord. Donc là, déjà, ça veut dire qu'on commence à se barrer. Avec un nouvel immortel. Donc, les gens, on va devoir oublier quelque chose. Et je pense que là, on arrive vers la fin de vie. On va être honnête, hein, de Nekura. Peut-être qu'on va oublier Ursus. En vrai, elle a plus de sens. Ursus, Tigaïa n'arrête pas de se cacher parmi mes chefs pour m'observer. On s'en branle, non? On la tège, non? La vieille, elle est morte, c'est tout. On l'a pas utilisée, déjà. On n'est pas obligé d'utiliser tout, hein. Ursus Tigaïa peut pas être l'immortel? Non, enfin... Je sais pas. Pour moi, c'est un nouveau perso. Hein. Pour moi, on oublie Ursus Tigaïa. Et je pense qu'elle meurt, donc... Je pense que Ursus Tigaïa est juste morte, les gens. Et je pense qu'on rajoute un nouveau personnage. Qu'est-ce que ça peut être? On pourrait avoir transformé Ursus et le conflit vient du fait qu'elle n'est pas contente de ça. Ah! Je pense que ça peut être pas mal que ça soit vraiment un autre truc qui n'a rien à voir, quoi. On voyage, genre on se barre vraiment. On vit plus à Nice. Genre peut-être qu'on essaie de trouver une solution, peut-être que... Et qu'on trouve un... Qu'est-ce qu'il y aurait pas une créature genre un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a comme créature, comme immortel? Après ça peut être un vampire. Hein. Ils vont rester de toute façon. Hein. Un djinn, c'est vrai. Un immortel chasseur d'immortels. Le problème, c'est qu'on est censé le piéger, donc c'est pas... Et c'est quoi notre marque, aussi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui change chez nous? Un truc qui nous blesse, techniquement. Hein. Merci beaucoup, Nirla. Non, non, notre pote est toujours là, là, pour l'instant. Il n'y a pas de raison qu'elle parte. Ah, c'est pas mal le côté un cultiste sorcier qui change son esprit de corps en corps, un voleur de corps. Et du coup, c'est pour ça, en fait. Ursus Tigaïa, elle est morte. On découvre son sachet de peau, vous voyez ce que je veux dire? Donc, après... Après avoir voyagé... Enfin, à la recherche... À la recherche... D'une... Solution... J'ai voyagé... Vers... Le nord.
Non. Je suis tombé sur Ursus Tigaia. Attends, comment ça s'appelle? Tigania, putain. Enfin, sur la peau d'Ursus Tigania et une créature en sortant. J'ai... Bah... je suis doué en déguisement. Hein. En sortant, j'ai... assez trick quand même. Hein. J'ai pu l'éviter, j'ai pu fuir en me faisant passer pour une chèvre. Ça se tient. Et donc, il s'appelle comment? Le... on va l'appeler le voleur de peau. Il semble me traquer depuis un certain temps. Il me semble me traquer pour une raison inconnue. Ok. Bah, en vrai, si, ça veut dire que je peux garder cette truc-là, en fait, ça n'a pas de raison. En vrai, je peux garder ça, hein. Parce que c'est lié à Ursus Tigania. Donc ça se tient, en fait. Ok, on enchaîne. 10. Putain, j'arrête pas de faire 10. Moins 4, 6. Donc 21. Attendez, lui si c'est 21. Vous êtes piégé dehors alors que le soleil se lève et vous vous cachez dans un endroit où vous n'êtes pas supposé être. Un enfant vous découvre et devient votre ami, crée un enfant mortel et enregistre une expérience humanisante. Ah oui, la marque, putain, c'est vrai, c'est quoi la marque? Putain, c'est quoi la marque? Vous avez raison. C'est quoi la marque de la scène précédente? Il n'y avait pas de skill, hein, c'était une marque. Merde, c'est quoi? En vrai, l'odeur de chèvre, je pense que c'est le mieux. Je pense que l'odeur de chèvre, c'est pas mal. Ça m'a marqué, quoi. Parce qu'on a, on a jamais dit qu'il nous avait confrontés. Ou bien une cicatrice. Qu'est-ce que vous préférez entre la cicatrice et le, l'odeur de chèvre? L'odeur, ok. Une forte... J'aimais une forte odeur de chèvre. Ok. Donc, je suis piégé dehors, hein, et donc je vais à un endroit. Je crée un mortel, un enfant mortel. Donc, on va l'appeler Alexio.
Comment ça s'écrirait? Alexis? Alexo? Alexios? Un enfant. Qui est passé au-delà de mon apparence. Les gens, il faut oublier quelque chose. Le couteau, hein. De toute façon, la carte d'environ, elle me sert pas. Ok. En dormant dans un... Dans la cave d'un manoir... Ah bah parfait, ouais. Une villa. Un jeune enfant de... Comment ça s'appelle? De domestique. Il y avait des esclaves en vrai à cette époque-là, non? Ça peut être un esclave, ouais, on s'en fout. Ouais. Un jeune enfant d'esclave. L'esclave, Alexio, ma surprise. Il ne parle, il ne parlait pas, mais voulait jouer avec. Bon. Ce que j'ai fait. Hop. Voilà, une expérience mignonne, rien d'incroyable, voilà quoi. Merde, j'ai lancé le... Ouais, c'est 5. 8 moins 5, 3. 1, 2, 3. Vous êtes forcé d'adopter un nouveau nom. Pourquoi? Yes. C'est quoi mon nouveau nom? Du coup, je retire ça? Bah, je peux le garder, c'est un nouveau nom. Je ne suis plus Agrippina. Les gens, je pense qu'on peut accepter que Nekura est morte. Hein. Je pense que ça fait un petit moment qu'elle est morte en vrai. Oh, on s'appelle Ursus ? Où on s'appelle Nekura. On s'appelle Nekura. On a appris. Où la langue évolue, c'est vrai, la langue évolue. Il s'est passé combien, un siècle ou deux? On s'appelle comment, Nekura ou autre chose? J'ai changé de nom, je m'appelle... Allez, Nekura. En l'honneur de... ma... meilleure amie. Alors pourquoi j'ai changé de nom? J'ai changé de nom...
Car. Ouais. Des légendes entourent le nom. Enfin, entourent mon ancien nom. Je m'appelle désormais Nekura, en l'honneur de ma meilleure amie. Putain, trop bien. Ok, bah semer le voleur de peau, je pense que... Ouais. 1, moins 5, moins 4 les gens, on revient en 20. Ah non, on est en 21 ça. Wow. Il y a un grand shift dans la manière dont la société transporte les biens. Comment est-ce que ça marche à votre avantage? Valider un skills et créer un skill basé sur une mémoire. Là, je pense qu'il peut s'être passé un petit temps quand même. Je pense qu'il s'est passé au moins un siècle. Je pense qu'on est en l'an... Ou au moins, peut-être deux. Hein. On est peut-être à zéro après JC. Qu'est-ce qui se passe comme, comme grosse transformation? J'avoue que le coup des chèvres, ça serait un gros truc en plus. Les bateaux? Le christianisme? Qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, dans ces cas-là, l'Empire romain annexe la région, des marchands tout médiatisés passent par Nice. Bah, attendez. Nice. Histoire. On va regarder, mais je pense que... Massalia, Agathe, da. Il y a des attaques. Il y a les Romains qui arrivent en moins 150, en moins 154. Donc techniquement, on fait partie de l'Italie dans ces eaux-là. L'empereur Claude, ouais, c'est au milieu du premier siècle, donc c'est ça, ouais. On peut le mettre, ça. Qu'est-ce que j'oublie, là? Je pense qu'on va oublier Nekura, les gens. Ou Alexio. Ouais, je pense qu'on va mettre... On va valider assoiffé de sang. Ou patience. Et du coup, on reste sur les côtés des voies romaines et voilà quoi. On oublie Nekura, les gens. C'est horrible, vous vous rendez compte? On oublie... Qui on est. Ma meilleure amie, on sait même pas pourquoi. On sait même pas qu'elle s'est sacrifiée basiquement pour nous. C'est bien, on l'a tuée, on l'a oubliée quoi. Horrible. De toute façon, elle est morte. Merde, attendez, hop. Ok. Peut-être que je crois que j'ai toujours été Nekura. Bah non, parce qu'elle est toujours marquée là, mais on sait pas trop qui
c'est, tu vois. On s'en souvient qu'on s'appelle comme ça parce qu'il y avait quelqu'un, mais on sait pas qui c'est. Donc, alors attendez. Avec l'arrivée des Romains, je n'ai plus qu'à attendre patiemment le long des routes pour trouver des marchands isolés afin de remplir mon trou. Bon, vite. C'est peut-être mieux comme ça. Ok. Donc, assoiffé de sang ou patience ? Et c'est un nouveau skill aussi d'ailleurs, par rapport à ça. Non, non, alors on doit valider un skill, donc on valide patience. Et du coup, on doit créer un nouveau skill par rapport à ça, qui est, je pense, c'est observation. Genre, on sait observer, vous voyez ce que je veux dire ? Ou discrétion, peut-être, plutôt. Discrétion. Ok. 20. Allez, les gens. 10. Putain, je fais beaucoup de 10. Moins 5. 5. 25. Ok. J'aurais dû les noter, les gens. Bon, c'est pas très grave. Vos méthodes pour acquérir des victimes ne sont plus efficaces. Qu'est-ce qui a changé ? Perdez une ressource et créez une compétence qui décrit votre nouvelle manière de vous nourrir. Putain, on doit sans arrêt, quoi. Je pense que mon troupeau de chèvres et la cabane qu'on a partagée avec des courants, ça fait longtemps qu'on l'a pu, non ? Genre... Je pense que ça marche plus parce qu'il y a les troupes romaines, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ils ont détruit la cabane. Je pense que j'ai toujours un troupeau de chèvres avec moi, ce qui est trop drôle. Je me balade toujours avec un putain de troupeau de chèvres. Je pense qu'il y a les troupes, voilà. Donc là... Malheureusement... La garde romaine. La légion romaine. La légion... romaine... intervient forçant m'empêche enfin intervient suite à des rumeurs suite aux nombreuses disparitions. Ils en profitent pour détruire les villas abandonnées. Enfin, les cabanes abandonnées. Du coup. Genre, c'est pour ça qu'ils détruisent ma cabane, quoi. Ok, et donc on a un nouveau skill pour définir notre nouvelle manière. Du coup, on n'a pas discrétion. Charme. Avec notre bonne odeur de chèvre. Les trois Maximus, même l'enquête sur le choupac à Brandiswa. Charme. Rapidité. Violence absurde. Chèvre. Lancer le chèvre. Qu'est-ce qu'il y a pu... Ouais, j'avoue, charme, c'est bien. Charme. En plus, on devient de plus en plus comme le démon. Hein. Ils ont promis de pouvoir détruire les cabanes du coin. Heureusement, ils sont facilement... charmables. Influençables grâce à mon physique. Ok. C'est type A.
Moins 3. Moins 2. Ouh. Vous apprenez, enfin vous maîtrisez, une nouvelle science ou un nouveau champ de connaissances. Comment est-ce que votre nature vampirique vous donne des avantages dans, dans ces études? Créer un skill approprié basé sur une mémoire. L'astronomie. On est la nuit, on voit mieux le... je trouve que ça se tient, non? Ah mais c'est... Non, c'est un truc en plus, pardon. Ou l'alchimie, ouais. Ah mais le truc, c'est que c'est créer un skill approprié. Et on a déjà vision nocturne. Bah, ou non, c'est créer... Non, c'est peut-être juste... non, non, c'est bon. En vrai, on fait juste la compétence astronomie. Astronomie. Et du coup, il faut qu'on efface quelque chose, les gens. Je pense qu'on oublie mon père et mes origines. C'est chaud, hein. Ou attendez, c'est basé sur une mémoire, donc est-ce qu'il faut créer une mémoire ou utiliser une mémoire qu'on a déjà? Create an appropriate skill based on a memory. Utiliser une mémoire qu'on a déjà, vous pensez? Ouais, donc astronomie, on l'a pas en vrai, ça a pas trop de sens. Parce qu'on n'a pas de mémoire par rapport à ça. Hein. Ah si, il ne sort que la nuit. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon les gens, on l'a. Dans la 5, on l'a, on a une mémoire par rapport au fait qu'on ne sort que la nuit. Non, c'est bon. On est bon. C'est parti pour la suite. 6. Moins 3. 3. 26. Vous créez accidentellement un vampire en vous nourrissant mal. Créez un personnage immortel à partir d'un personnage mortel existant. Pourquoi est-ce que vous ne le détruisez pas? Vérifiez un skills. Alexio! Putain, on connaît plus de personnages mortels, les gens. Attendez, on va barrer Alexio plutôt que... On va pas le supprimer. Parce qu'il est, toujours là, techniquement. On va le barrer. Mais il est vieux, ouais. Alexio. Un vieillard que j'ai eu du mal à saigner. Et que j'ai maudit comme moi. Ah ouais, il est vieux et sénile, il m'appelle tout le temps, c'est horrible. Ah, attendez. Hop, donc là c'est parfait. Des dizaines d'années plus tard, Alexio m'a retrouvé.
Enfin, Alexio a croisé à nouveau ma route. Mais je n'ai pas réussi à le finir. Cela l'a condamné à vivre pour toujours dans le corps d'un vieillard sénile qui m'appelle maman. Check a skill. Je sais pas. Assoiffé de sang, ouais, c'est vrai que c'est plutôt lié. Parce que c'est lié au fait que j'ai pas réussi à... Que j'étais... Non, c'est check skill, donc c'est le valider. Ok. Bon, suivant. 7. Moins 5. 2. Un personnage mortel revient. Mort depuis longtemps, revient. Qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Comment ont-ils survécu à la mort? Vous ne les reconnaissez que si vous avez une mémoire en lien avec eux. Check un skill. What? What? Un fantôme! Un fantôme! Ursus? On fait revenir Ursus ou Nekura? Nekura, c'est dramatique. Il peut y avoir le côté fantôme. Mais Ursus, il y a le côté genre... On est complètement con de pas s'en rappeler, quoi. Enfin, genre, c'est trop bien. Parce que Nekura, on a estimé qu'elle était morte. On sait pas si elle est morte. Aussi bien, elle est toujours vivante. Elle est peut-être immortelle. Nekura est peut-être immortelle, les gens. Parce qu'on a, estimé le fait qu'elle était morte, c'est tout. Genre, tout ça, on l'a oublié, hein, les gens. Je le rappelle, hein. Allez, Nekura revient, quoi. Après, Ursus, on peut facilement rajouter un truc. Mais tu t'en souviens pas, alors. Bah, Nekura, j'ai juste ça. Nekura est revenu les seconds paragraphes de chaque page. Bah c'est si on retombe dessus en fait. Il y a trois paragraphes en fait sur chaque page. C'est si on retombe dessus. Nekura est revenu d'entre les morts. Elle a bu. Elle a... était touché par ma malédiction. Et elle veut mourir. Ça valide quoi? Ça valide... Donc... Nekura... Une... En vrai, on est... Ouais, bah j'allais le dire. On est d'accord, elle est défoncée physiquement et elle est juste encore en vie, quoi. Un véritable cadavre sur patte. Que j'ai condamné à la vie éternelle. Je vais mettre mon ancienne... mon ancienne meilleure amie.
Je pense que je me suis barré. Et elle veut mourir. J'ai fui sa présence. Je me suis barré. C'est tout. Et j'ai utilisé discrétion. Parce que c'est tout en fait. Tu peux pas être confronté à ça. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as putain. En plus, je m'appelle Nekura. J'ai volé son identité. Genre, c'est baisé. Il y a un cadavre qui arrive. C'est baisé. Je me barre. C'est sûr. Suivant. 8. Moins 1. 7. 35, les gens. On avance quand même, hein. Vous rencontrez le descendant d'un vieil ennemi et les aider d'une certaine manière. Pourquoi vous faites ça? Valider un skill, créer un personnage mortel. Oh, genre... Putain, ce serait... L'enfant d'Arcaios, enfin, tu sais, un descendant de mon père, quoi. Le petit-petit-fils, donc mon petit-petit-neveu. Ouais. Putain, quel enfer. Comment on l'appelle? Oh non, il s'appelle pas Arcaios, il s'appelle Cantinus. Cantinus, mon lointain neveu. Jean-Luc, c'est le nom de mon père. Cantinus, mon lointain neveu. Avec quoi je l'aide? Astronomie, peut-être. Ouh, il s'est perdu dans la montagne. Ça, c'est bien, non? Ouais. Qui s'est perdu dans la montagne à la recherche des restes de son arrière, enfin, de son ancêtre Arcaios. Et il sait pas que je suis... Il sait pas qui je suis, en fait. Par contre, les gens, là, va falloir oublier quelque chose. Hein. Je pense que ça, on l'oublie, hein. Mais on sait pas qui il cherche. On a oublié. Enfin... Donc, on peut mettre... Cantinus, le descendant de mon père, s'est perdu dans la montagne et avait besoin d'aide. Je l'ai orienté vers le village le plus proche afin qu'il... ne trouve jamais la grotte de... Mais attends, non, je peux pas m'en souvenir de ça. Non, je sais pas où elle est, la grotte. Bah, afin qu'il ne me pose pas de problème. Tout simplement, je l'ai aidé pour pas qu'il fasse chier, quoi. Et du coup, s'orienter dans la montagne. Tu sais plus que c'est la tienne, mais tu sais qu'il y a une grotte. Ouais. 8. Moins 4. 4. 39. On avance de ouf, hein, là. Oh, okay, alors,
le journal, on n'en a pas fait. Mais voilà, l'âge a endommagé votre journal. Retirez 3 noms des mémoires dans votre journal, commençant par la plus vieille entrée. Si vous n'avez pas de journal, faites ça pour les premiers 3 noms. Dans une mémoire d'un âge moyen. Bah, on est d'accord, hein. Ou Alexios. Non, non, on va rayer les noms là. Hein. Attends, c'est Cétéral Mage 5, c'est ça? Yes, ça marche bien. Comment c'est? Alt Mage 5, ok. Yes. Voilà. Du coup, on se rappelle plus d'Ursus qui gagna, les gens, qu'on le veuille ou pas. Bah, j'estime que c'est un nom, hein, le Nord. Du coup, Ursus Tigania, on s'en rappelle plus, quoi qu'on fasse. Et on continue. 9. Moins 4, 5. 44. Un personnage immortel que vous avez rencontré revient pour réclamer une dette. Qu'est-ce que c'est? Comment ils ont changé? Est-ce que vous payez volontairement? Si vous avez une mémoire avec ce personnage, vous perdez 2 ressources. Sinon, 3 ressources et vous checkez un skill. Qui revient, les gens? Ampusa, le voleur de peau, Alexios Nekura. Et quelle dette! Quelle dette! Moi, je pense qu'Alexio revient, ouais. Mais Nekura, c'est vrai que c'est... Nekura, c'est pas mal aussi, quoi. Parce qu'on a fui, quoi. Mais on lui doit des explications, on lui doit plein de trucs à Nekura. Après, Alexio, pour moi, il est taré, hein. Alexio, on n'a pas de... On a le voleur de peau. On n'a pas de souvenir parce qu'il y a ça. En fait, j'ai oublié de faire ça, mais il y a ça. Donc, en gros, le voleur de peau, on perd beaucoup de choses. On perd toutes les ressources qu'on a. Et 2 skills. Moi, je dis voleur de peau, c'est pas mal. Hein. Il n'y a pas de dette logique. Bah si, il m'a traqué, il m'a retrouvé. On lui doit un corps. C'est logique. Après, en poussa, il n'y a pas de sens. Oui, tu check un skill, tu le perds pas. Oui, c'est vrai. Mais quand t'as checké tous tes skills, tu les perds, quoi. C'est ça que je veux dire. Nekura, je sais pas. Nekura, c'est la plus logique. Alexios, il n'y a pas de sens, c'est un vieillard sénile maintenant. Il sait pas qu'est-ce qu'il a changé ou pas. Pour moi, on croise Nekura et elle est encore pire qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, Nekura, là, il va falloir accepter le fait qu'on supprime un truc. Hein. Genre... Pour moi, on oublie ça, ça sert à rien, de toute façon. Allez, Nekura, tac.
c'est parti. On a toujours pas oublié qui on était, hein, ça c'est déjà bien. Donc, Nekura revient... Oula, attendez. Nekura revient. Son état est encore plus délabré. Enfin, décharné qu'avant. Elle réclame la vie qu'on lui a volée. Et la mort qu'elle souhaite. Alors attendez, du coup, je perds deux ressources. Un troupeau de chèvres et un couteau volé à mon père. Hop. Je lui donne mon nom, mon ancien nom et ma et ce qui reste de mon ancienne vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai donné tous mes trucs. J'ai donné mon troupeau, j'ai donné mon couteau et c'est ce qui me restait en fait. Elle maintenant, Nekura, on change de nom. Maintenant, elle s'appelle Agrippina. Anciennement, Nekura, mon ancienne meilleure amie, véritable cadavre sur pattes, que j'ai condamné à vie éternelle, avec qui j'ai échangé ma vie. C'est trop bien. Genre, elle reprend ma vie d'avant. Elle a mon couteau, le couteau de mon père, et elle a le putain de troupeau de chèvres, quoi. Mais par contre, on a plus de chèvres. On pue juste du cul. Ok. 3. Moins 6. Ok. Donc là, c'est moins 3. On passe en 41. Votre corps est loin des problèmes humains. Perdez une mémoire. Effacez. Extinct name, c'est quoi? Quoi, extant? Genre... existant? Ok. Bah c'est Agrippina du coup. Le nom le plus vieux que j'ai. Donc Agrippina ça part. Et on perd une mémoire. Bon, on perd les Romains hein. Et du coup, on est à 4. On ne peut plus en avoir de plus. On ne peut plus en avoir 5. C'est un slot entier. Alors, on me fait comme les quoi déjà? Horrible. 3. Attendez, je dois créer un truc ou pas? Attendez, un prompt. Ça veut dire que je dois écrire quelque chose, absolument, non? Je peux pas juste faire ce que je viens de faire, non? Je vais écrire un truc là. Suite à cet échange, je m'isole pendant un temps. Oubliant la vie. Enfin, les troubles de la vie humaine. Ok. 2. Moins 6, putain. On revient en arrière, les gens. 2 moins 6, ça fait 4. Donc. 37. Les choses tombent en poussière. Perdez une ressource. À laquelle vous n'avez plus de mémoire correspondant. Ne créez pas de nouvelle expérience pour ce prompt. Ça arrive simplement alors que vous regardez les gens. J'ai pas de ressources,
Donc je suis obligé de perdre un skill. Je pense que j'ai plus de contact avec les chèvres. Attendez. Là je regarde parce que quand c'est comme ça, je sais pas si on le perd définitivement ou si on le coche. Je regarde. Ouais, c'est check a skill, ouais, donc c'est ça. Moi j'estime que, voilà, doué avec les animaux, je le suis plus en fait. Tout simplement. 5, moins 6. Moins 1. Les mensonges que vous faites vous perturbent vous-même. Combinez 3 traits pour fabriquer une expérience que vous pensez être vraie. C'est chaud les gens. Ah non non non, l'odeur c'est bon. Putain, qu'est-ce que doué en déguisement avec l'odeur de chèvre mélangé à Ampoussa. Mais les mecs, il existe plus le voleur de chèvre, le voleur de peau aussi. Ah si, c'est vrai, si. Ah si, il existe toujours, on peut oublier un truc, ouais, c'est vrai ce que vous dites. Mais il y a toujours Alexio. Hein. On peut dire que Alexio... On peut penser que Alexio est... le voleur de peau. En vrai, on peut oublier Continuous. Attendez. En vrai, on oublie Continuous, les gens. Le voleur de peau, on s'en souvient pas, mais on l'a dans les liens, non? Les personnages, ils comptent comme des mémoires. Mais de toute façon, c'est une nouvelle expérience. C'est pas une nouvelle... Ouais, si, ça marche, moi, j'ai... Je suis certaine... que le voleur de peau m'a appris à me cacher, à me déguiser et à charmer. En vrai, c'est horrible. Genre, il a pas du tout fait ça, il a tué quelqu'un que je connais même plus. Neuf. Moins un. Ça fait 8. 6, c'est 8. 44. Ah, on retombe sur celle-là, donc on est à la suivante. Non, non, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un personnage immortel, donc c'est le même que tout à l'heure dans l'idéal, mais qu'est-ce qu'ils font pour vous envoyer dans le sombre désespoir et effacer votre mémoire la plus vieille? Qui je suis? Ça efface qui je suis? Pour moi, c'est Nekura. C'est Nekura, elle revient, elle me finit, quoi. De toute façon, j'avais oublié mon prénom. Putain, c'est chaud. Ah, quand?
Nekura. Me parle, enfin me croise à nouveau et me parle de choses dont je ne me souviens pas. D'ailleurs, elle s'appelle pas Nekura, elle s'appelle Agrippina. Me croise à nouveau et me parle de choses dont je ne me souviens pas. Me nommant. Enfin, confusant. Confusant ma mémoire. Et me faisant oublier qui je suis. Je gagne un skill, les gens. L'anxiété. Parfait. Putain. 9. Moins 3. Attendez, 9 moins 3, je suis con. Du coup, ça fait 6. Donc 50. Vous êtes capturé dans un piège fait pour... Attends, cette fois... Ah oui, fait pour les mortels prédateurs, quoi. Enfin, pour... quelle sorte de criminel... Attends, set for predatory mortals. Oui, il pense que c'est pour piéger un criminel. Quelle sorte de criminel on vous prend pour? Comment cette expérience vous aide à apprendre... À être un meilleur chasseur de mortels. Faites un new skills qui... Qui teinte la pureté d'une mémoire plaisante. On n'a pas beaucoup de mémoire plaisante, les gens. Hein. On me prend Alexiogène, c'est la mémoire, c'est pas une mémoire, c'est une expérience. Donc c'est Alexio, ouais. Comment on lit ça à Alexio? On se fait passer pour une dame. On traque les enfants. On se nourrit d'enfants. Et le skill qu'on gagne, c'est maternel. On me piège et me prend pour une tueuse d'enfants. Comment? Ouais. Tueuse d'enfants. Me faisant une liste des méthodes employées. Et... Mais non, pas encore. On me piège et me prend pour une tueuse d'enfants, me faisant une liste des méthodes employées et des lieux où je l'ai fait. Je me libère facilement. Plus tard... Et j'utilise ces nouveaux savoirs pour me nourrir d'enfants. Yes. Merci Alexio.
3. Moins 1, 2. Oh. La beauté du coucher de soleil vous appelle. Créez un memory slot en plus dédié à la beauté, la nature ou la paix. Je me... crépuscule, pardon. Me profitant du crépuscule, je me perds. Crépuscule, aube, dawn, from dusk till dawn. Donc oui, non, c'est l'aube, hein. Ouais, c'est de l'aube, hein, c'est bien ça, profitant de l'aube. Non, alors, attendez. Voulant... me coucher plus tard que la normale, je profite de l'aube sur... la vallée. Constatant les constellations. Constellations au long. Voilà. Genre, là, c'est pour ramener un petit peu vision nocturne et astronomie. Ok, bon, ça va, c'est plutôt tranquille, ça. 8, moins 2, 6. Putain, mais on arrive à la fin, là. Non. Donc c'est 8, hein, là, du coup. La société a changé. Comment est-ce que le transport est devenu plus facile pour vous? Récupérer n'importe quelle ressource pour laquelle vous avez encore... stationary ressource, pardon. Pour laquelle vous avez encore une mémoire. Ils sont rajoutés à votre ressource. La cabane? Je crois pas que j'ai quoi que ce soit. Hein. Si, 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 j'ai une mémoire là-dedans. Là. Ce qui me reste de mon ancienne vie. Mais attendez, je complète hein, mes chèvres et ma cabane. On récupère une cabane qu'on partage avec Nikura. Les chèvres, c'est pas très... Continuus. Ah oui, Continuus est mort. Hein. Continuus est dead. Hein. Cabane qu'on partage avec Nikura. Bah, qu'est-ce qui peut s'être passé depuis le temps? Je pense que là, maintenant, on est... pour moi, on est au début de l'avènement des... Comment? Peut-être qu'on est au Moyen-Âge, peut-être. Avec le temps qui s'est passé, honnêtement, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Parce que pour moi, là, il s'est passé plusieurs siècles. Vraiment, là, pour moi, on est en 1200 quelque chose. Non? Pour moi, là, cette aube-là, c'est justement, il s'est passé des nouveaux trucs, quoi. Ah, pour moi, il s'est passé beaucoup plus de temps que ça. Pour moi, maintenant, chaque truc se passe presque 100 ans, en fait. Qu'est-ce qui a amélioré? Ben, les bateaux, peut-être. Il y a des bateaux.
Plus de bateaux. Il y avait déjà des bateaux à l'Antiquité, mais bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui arrive au Moyen-Âge, enfin en tout cas entre 400 et 1000, qui peut optimiser le voyage? Vous voyez des trucs, vous? Ils font peut-être un canal ou un truc comme ça? Les caravanes? Les avions? Yes, les fameux. Les auberges sur les routes. Les barreaux. Voyage par canot, mais il y a des canots au moins. La 8. La peste, ça voyage bien la peste. Ouais. Les routes. Les voies romaines sont construites du coup. Ouais, les routes sont plus sûres et les gens font moins attention à moi. Ce qui me permet de revenir dans les ruines de ma vieille cabane. Voilà. Ce serait bizarre de me souvenir de ma vieille cabane que j'ai donnée. Heureusement. Ni Nekura, ni Agrippina ne sont là. C'est pour moi, je sais pas qui c'est. Je me rappelle vaguement. Je me rappelle les deux, en fait. Ah, c'est des ruines. Je pense que c'est des grottes. La grotte, tu vois. Dans la grotte, sous les ruines de ma vieille cabane. Voilà. 9. Putain, mais je fais tout le temps 9. Moins 2. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votre possession devient finalement d'une grande valeur comme vieil objet. Échangez votre plus vieille ressource pour deux ressources contemporaines. Qu'est-ce qu'on a comme ressources contemporaines? On est à 1000 et quelques. Largement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce putain de... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme nouvelle ressource, hein? Peut-être une... ouais, un vieux manoir, un truc comme ça, c'est cool, ça. Ah, mais je sais pas si je sais lire, mais... Bah, on peut avoir un manoir. Ça se tient, un manoir, à l'époque. Et... une... Bah si, ma plus vieille ressource c'était ma cabane que j'ai récupérée. Y'a pas de manoir? Mais y'a des manoirs. Manoir 1100. Après Jésus-Christ. Tu veux une cabane en ruine de 1000 ans contre un manoir? Bah écoutez, il se trouve que c'était dans un terrain très avantageux où ils ont fait une mine. Une mine! Mais oui, voilà, il y avait des manoirs. Mais oui, mais oui. C'est ça, c'est une ferme fortifiée, c'est... voilà. Un livre d'histoire. Pour apprendre un petit peu, essayer de comprendre ce qui s'est passé, tout ça, tu vois. Je vends le terrain
qui est riche en minéraux précieux, ce qui me permet d'acheter un manoir et un livre d'histoire pour apprendre plus de choses sur ce qui m'entoure. Laine d'argent quoi, bah voilà. Hop là, tac. C'est parti. 2, ah c'est moins 1. 1. Votre savoir est maintenant passé de mode. Perdez un unchecked skill. Bah, je pense mes déguisements. Hein. Genre, honnêtement, c'est bien gentil, mais je pense que mon savoir de déguisement, il date d'il y a 1000 ans. Donc pour moi, à l'époque, c'était mettre une capuche, ça marchait, tu sais. Maintenant, les gens, ils font, bah, vous avez juste une capuche, mais vous puez tout le temps la chèvre, hein, madame. Je pense que c'est ça, hein. Malheureusement, mes déguisements ne tiennent pas face à la mode qui évolue trop vite. Parfait, parce que ça c'est 7 moins 3, 4. On arrive à 70. Les mortels sont cruels et fonctionnent de manière hors de votre compréhension. Comment êtes-vous moqué ou victimisé? Pourquoi est-ce que votre réponse est ineffective et coûteuse? Validez un... Enfin, checker un skill. Je pense qu'on valide anxiété. Mais... Attendez, hop, pas ici. Je pense que c'est ça continue là-dessus. Mes vêtements sont moqués. Et en acheter des plus chers et plus grandiloquent n'a pas d'effet. Mes vêtements et mon odeur. Son moquet n'a pas d'effet. Ce qui m'angoisse sur ma capacité à charmer à nouveau. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur du 10 moins 5. C'est game over. En vrai, c'est trop parfait. 23h40, c'est parfait. Un vieil ami ou vieil ennemi vous tue dans votre sommeil. Putain, les derniers trucs, c'était juste que j'étais stressé d'être passé de mode. Oh, le voleur de peau qui vient... attendez. Qu'est-ce que vous voyez dans ces dernières secondes entre les rêves et la non-existence? Oh, Alexios, qui vient, qui me finit? Alexios, Agrippina, le voleur de peau. Oh, Alexios qui sert force à maman, c'est trop bien. Je rappelle que je tue des enfants. Agrippina, c'est cool, le côté, ouais, elle peut pas, elle pense qu'elle peut que me tuer si elle meurt, elle.
Enfin, qu'elle peut que mourir si je meurs moi, c'est cool. Vous en pensez quoi? Alexios qui vient me finir, c'est cool. Mais l'autre qui vient m'achever... Après, elle a volé notre vie, elle s'est barrée. En vrai, je pense que c'est juste un cadavre sur pattes. Là, pour le coup, je sais pas. Dites-moi dans le chat, vous préférez Alexios qui me tue alors qu'il veut juste me faire un câlin? Ou est-ce que vous voyez plutôt Agrippina, ex-Nekura, qui me tue en essayant de faire ça? Ouais, je suis d'accord que Alexios, il revient de nulle part, c'est cool. Allez, Alexios. Alexios, l'enfant. Enfin, le vieillard sénile me prenant pour sa mère me retrouve après des siècles et me serre du plus fort qu'il peut dans ses bras, me tuant. Je ne le reconnais pas. C'est ça qui est triste, c'est techniquement... Si, je peux le revivre, je me rappelle. Comment? Je me souviens du jeu qu'on faisait dans la cave de sa villa. C'est celle que j'ai achetée. C'est pas trop bien? En vrai, c'est pour ça qu'il m'a retrouvé. C'est un acte manqué. Merci, Moralin. C'est l'acte manqué, en fait. C'est genre... Bah ouais, j'ai acheté le truc où j'étais là. Je rejoins les cadavres d'enfants qui s'amoncelaient sur mon sol. Qui s'amoncelent, ouais. Voilà, ça s'amoncelait quand même parce que c'est dans le passé. Putain, cette fin incroyable! Voilà, ça s'amoncelait, il veut pas. Et bah putain, c'était vraiment cool. Il y a plusieurs fins, du coup, c'est une des fins. Et il y a plusieurs prompts alternatifs, etc. Une sacrée fin, une sacrée vie. Du coup, mes souvenirs... ah, mais on pourrait faire un court-métrage et tout, un jeu, ouais, c'est ouf, hein. Ben, voilà, la saison sur la Lune, elle est dispo sur YouTube, hein. C'était la saison du 1er avril de cette année. Putain, vous rappelez, regardez tout ce que j'ai oublié avec le temps. J'ai oublié tellement de choses. J'ai oublié tout ça. J'ai oublié que j'ai utilisé mon couteau pour faire une carte des environs afin de trouver un lieu où me cacher. C'est nécessaire. J'ai oublié que Nekura a vu mon père Arkaios me chercher à Nikaya et qu'elle m'a proposé de fuir à nouveau. Et que face à ma malédiction, elle m'a proposé de donner son sang. Son sang régulièrement. En faisant des saignées ou en utilisant ces monstrues. J'ai oublié qu'en fuyant mon père qui m'avait retrouvé, je suis tombé dans une grotte où une démon Ampusa m'a maudit en me retirant le cœur. En sortant de la grotte, mon père Arkaios m'a confronté. Emporté par la rage et la faim, je l'ai réduit à néant. Je me suis gorgé de son sang afin d'emplir le vide de mon cœur. Je vis dans une grotte aménagée de ma cabane et ne sors que la nuit. Ursus Tigana n'arrête pas de se cacher parmi mes chefs pour m'observer. Putain, je suis un peu devenu elle, hein. À la recherche d'une solution, j'ai voyagé vers le nord, je suis tombé sur la peau d'Ursus Tegina et une créature en sortant, j'ai pu fuir en faisant passer pour une chèvre. Avec l'arrivée des Romains, je n'ai plus qu'à attendre patiemment le long des routes. Ah, c'est vrai que je butais les marchands. Après, j'ai buté des membres de la Légion Romaine. Continuus, le mec est un peu arrivé au milieu de nulle part, c'était un peu le... Trop bien. J'ai oublié que j'étais Agrippina, une gardienne de chèvre, porche de Nikaia, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Putain, j'ai vécu quand même... Pour moi, j'ai vécu littéralement un millénaire. Je suis mort en 12 après Jésus-Christ, quoi. C'est parfait. Putain.
J'ai changé de nom car des légendes autour mon ancien nom. Je m'appelle désormais Nekura en l'honneur de ma meilleure amie. Nekura est revenue d'entre les morts. Elle a été touchée par ma malédiction. Elle veut m'en mourir. J'ai fui sa présence. J'étais doué en déguisement. Voulant me coucher plus tard que la normale, je profite de l'aube. Putain, j'ai oublié ça. Putain. Trop bien. T'es morte en bicyclette carotte juste avant la fin du voyage. Trop bien. Alors, si vous voulez, attendez, je vous donne l'accès au fichier, parce qu'en vrai, c'est cool, je trouve. Comme ça, vous pourrez le revoir et tout ça, et puis le copier si vous voulez vous faire une partie avec mon fichier, c'est toujours pratique. Donc, encore une fois, le jeu s'appelle Thousand Year Old Vampire. Il a été fait par Tim Hutchins. Vous pouvez trouver un lien sur DriveThruRPG. Hop là, le lien apparaît là. Vraiment, je pense. Alors, le livre en soi est incroyable, il est superbe. Vraiment, c'est un très bel objet. Mais je pense que le PDF suffit largement. Sincèrement, moi personnellement, j'ai eu. Enfin, vous avez vu, hein, pendant la partie, c'était plus agréable d'utiliser un PDF tout de même. Je pense. Donc faites ce que vous voulez, mais voilà. J'ai vraiment passé un très bon moment. Je sais que c'est pas le genre de live JDR qui fait des vues. Parce que voilà, c'est des JDR solo, les gens. Ils n'existent pas en français, non. Les gens n'aiment pas les JDR solo. C'est comme ça. Mais tant pis. Voilà. Pas dispo sur Philibert. Alors, sur Philibert, c'est possible qu'il y soit, mais il est peut-être en rupture de stock. Hein. Et c'était très bien parce qu'on a pu faire vraiment un côté. On a écrit à plusieurs. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression d'être le seul à écrire du tout, quoi. Il y avait plein de moments où vous proposiez des trucs et tout. Donc, il y a plein d'autres JDR solo que j'ai. Donc, je pense qu'on en fera d'autres, tranquillou bilou. Mais voilà. J'en ai découvert un qui a l'air très cool, dans lequel je joue un chasseur de primes. Il faut que je le lise dans le détail. Est-ce qu'il s'appelle... Il y a celui-là, moi. Hop. Celui-là que j'aimerais bien faire. Iron Sword Starforge. Qui a l'air trop bien. Et qui peut être joué à plusieurs. Hein, mais voilà. C'est pas celui-là, mais je connais. Ça me chauffe aussi. Ouais. Bah, Iron Sword, c'est trop bien. Donc ça, ouais, peut-être qu'on en fera. C'est plus comme du vrai jeu de rôle, pour le coup. Mais voilà. Beaucoup de zines aussi, pas cher. Très cool à faire. Ça. Tout à fait. Ça s'appelle Notorious... Ah, c'est vrai que sur Itch, il y a énormément de trucs. Du coup, j'ai pas trop participé, mais content d'avoir assisté en direct, ça faisait longtemps. Ah bah écoute, avec plaisir. La légende noire de la crasseuse qui sent le bouc. Trop bien. Donc, je vous rappelle plusieurs choses. Si vous êtes tipeur, 30€ ou plus, ce mois-ci ou le mois dernier, donc si vous avez profité par exemple l'offre 33€ le mois dernier, vous avez accès à la réunion... Enfin, au live privé de demain soir à 20h. Quand je dis demain, c'est après-demain. C'est dimanche, je sais pas pourquoi je dis demain. C'est dimanche soir à 20h. Le lien va vous être envoyé par mail, mais surtout par MP Tipeee. Donc comme ça, allez sur Tipeee et ça sera plus simple, je pense. Sur ce, j'ai passé un très bon moment. Si vous n'avez pas le lien, mais que vous avez bien tippé 30€, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dimanche après-midi si vous n'avez rien reçu, c'est pas normal. Normalement, je les enverrai demain, les mails. Donc voilà. Alors, 33€, je crois que c'était il y a 2 mois. Ah ouais, t'as raison. Oui. Donc non, novembre. Oui, novembre, pas octobre. Putain, je suis perdu dans le temps, les gens. Dans ma tête, on n'est pas... Vous savez que... Je sais que Noël, c'est la semaine prochaine, mais je l'ai pas accepté. Hein. C'est pas du tout enregistré. Hein. Genre, je le sais, mais moi, je suis comme Agrippina, si vous voulez. J'oublie des trucs, quoi. Je fais des choix. Là, mon choix, c'était genre me souvenir de ce live-là, maintenant. Là, je suis un peu perdu dans le temps. Mais beaucoup de choses à faire, beaucoup de trucs à voir et à faire aussi. C'est un peu le combat. Notorious. Ah, putain, il est cool. Regardez. Mais
Merde. Ok, bah écoute, je vais quand même regarder ça. Le marathon téléchat, t'avais perdu dans le temps. Ouais, c'est ça. Pre-order, physical copy. 10 balles? Ah ouais, mais c'est avec un putain de zigouigouis le long de derrière, c'est trop chiant. Non, ça me saoule. Non, merci. Je prendrai la version PDF. Hop. Maxime, il fait 4-6 sans lancer de dés. Je fais ce que je peux, en fait. C'est pas ma faute, en fait. Notorious, et je vais télécharger. Bam, bim, boum. Mais j'ai plein de JDR à vous montrer. Donc ouais, je pense que je ferai un JDR avec Alexis qui filme et où on parlera un petit peu de tous les JDR qu'il y a derrière. Comme ça, vous pourrez poser des questions, peut-être découvrir des jeux que vous avez envie de voir. Moi, je vous donnerai mes retours. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce ne sera pas des retours détaillés. Il y en a certains que j'ai pas lus aussi, mais comme ça, ce sera sympa, je pense, comme type de live. C'est un peu plus posé, c'est plus un live discussion autour du JDR, tranquillou, quoi. Donc ça sera pas tout de suite, parce que je crois que la semaine prochaine, il y a vraiment, ouais, niveau date, c'est pas idéal. Ah, ça fait un petit live du 23, vous allez me dire. Mais en même temps, le 23, je ferais bien, il y a pas un JDR qu'on peut faire façon Noël ou un truc comme ça, ça peut être fun. On verra. N'oubliez pas qu'il y a le 31, le live de ceux qui ne fêtent pas le nouvel an, où on regardera Birdemic en VF. On jouera des jeux, on fera des discussions sur un peu toute l'année, etc. Ça va être trop bien. Donc j'ai hâte. Sur ce, faites de beaux rêves. On se dit à dimanche soir pour les 10 ans de Groupe Topus à 22h et à 20h si vous êtes tipeur. Ce qui serait un très bon choix, je pense. Je ne veux pas parler à votre place. Et n'hésitez pas à aller acheter Sword and Herald Vampire, parce que pour le coup, c'est un très bon jeu, comme vous avez pu le voir. N'oubliez pas non plus qu'il y a Sombre Machination en ce moment, et que vous pouvez tipper et avoir accès, je le rappelle, au calendrier de l'Avent, où il y a déjà il y a déjà 16 trucs qui sont sortis, notamment des personnages antiques qui sont sortis aujourd'hui, et qui sont pas en toc. Ça me donne envie de mourir, cette blague, hein, qu'on soit bien d'accord. Quand je dis antique, c'est genre vraiment antique. C'est Nécourt qui les a dessinés, qui déchire en plus. Regardez ça. Donc voilà. Alors par contre, il n'y a pas encore... Agrippina. Mais pourquoi pas l'année prochaine. Sur ce... Faites de beaux rêves, à bientôt. Moi, je vais aller ranger un garage jusqu'à m'écrouler de fatigue. J'ai hâte. À bientôt. Générique de fin. Ciao. Techniquement, c'était un préquel aux deux saisons de Vampire qu'on a fait. Hein. On est d'accord que les deux marchent. Enfin, je veux dire, c'est dans Dark Age et dans Vampire V5, ça marche. Agrippina est dans ces univers.